Bonsoir fidèles téléspectateurs et merci de nous retrouver sur les antennes de la télévision panafricaine Afrique Média pour cette autre édition spéciale d'appel sur le continent consacrée à l'élection présidentielle française. On parlera bien sûr des relations entre le futur président de la République du côté de la France et ses relations avec le continent africain. On le sait, depuis hier, Marine Le Pen du Rassemblement national et le président sortant Emmanuel Macron de La République en Marche sont désormais les deux qualifiés pour le second tour de l'élection présidentielle du côté de la France. La campagne pour le second tour a donc débuté aujourd'hui. Le chef de l'État sortant Emmanuel Macron a d'ores et déjà commencé les bains de foule ainsi que sa concurrente du Rassemblement national. Nous parlons donc de cette actualité avec vous et nos invités dans cette édition spéciale d'Appel sur le continent. Nous sommes bien sûr avec Gamal Abina pour débattre ce soir. Bonsoir et bienvenue. Eh bien, le temps de permettre à Gamal Abina de se préparer, on va passer le bonsoir à Françoise Nicolas, ancienne diplomate française et victime de la France-Afrique. Bonsoir et bienvenue. Est-ce que Françoise Nicolas est là? Bonsoir à vous, Françoise Nicolas. L'équipe technique de Calais. Enfin, Françoise Nicolas, on espère que Alain Jules Meunier est également calé. Bonsoir et bienvenue, cher Alain. Françoise Nicolas, bonsoir et bienvenue. Bonsoir à tous. Bonsoir. Bonsoir à vous, merci d'avoir accepté cette invitation. Alain Jules Beignet, bonsoir et bienvenue. Bonsoir, monsieur Wafo. Merci à vous d'avoir répondu une fois de plus présent. Est-ce qu'on a enfin Sylvain Baron? Oui, bonsoir. Gamal Abina également de la partie ce soir. Bonsoir et bienvenue. Oui, bonsoir, je suis en métro, je vais pas t'arriver. Eh bien, merci à vous d'avoir tous répondu présents à cette invitation sur ce plateau central. On aura un patient parfendum, mais avant, on va un peu faire le tour des réactions. On le sait depuis hier, le président français Emmanuel Macron et la candidate du Rassemblement national sont donc au second tour de l'élection présidentielle du côté de la France. C'est l'objet du débat ce soir. On parlera bien sûr des relations entre le futur président de la République et le continent africain. Que doit-on attendre de cette future relation-là? Peut-on croire ou espérer un changement de paradigme dans ces relations? On parlera de cette actualité ce soir. Mais avant, on va un peu parler de cette campagne présidentielle du côté de la France avec, pour le premier tour de parole, les impressions des uns et des autres. En ce qui concerne ce premier tour qui s'est achevé, qui a donc porté au second tour le président sortant français Emmanuel Macron et la candidate du Rassemblement national France, Alain Jules Meunier, vos premières impressions. C'est un remake de 2017, hein. C'est-à-dire que on reprend les mêmes et on recommence en fait. Je crois qu'il n'y a pas, il n'y a rien en réalité à tirer, sinon que d'un autre côté, les extrêmes montent de plus en plus, hein. C'est-à-dire que la France le prouve encore une fois, elle est complètement à droite. Et je crois que Macron peut considérer qu'il est du centre. Et l'expérience a montré que quand les gens du centre sont au pouvoir ou montent, forcément, les extrêmes montent aussi. Donc, il faut faire très attention pour la suite des événements. Voilà ce que je peux dire tout de go comme ça, d'entrée, n'est-ce pas, pour notre débat de ce soir.
Vous veniez bien. Françoise, Nicolas, pour vous qui avez été au cœur du système, comment est-ce que vous avez réagi à la suite de ce premier tour de l'élection présidentielle en France? Ah, je suis atterrée, hein. Je suis terriblement triste, hein. Et aujourd'hui ma tristesse est matinée de colère. Je suis très en colère contre le système en France, hein. Pour moi, les sondeurs ont constamment et sciemment minoré le vote de Mélenchon, hein, donc en laissant entendre que tout était réglé d'avance. Et puis bon, il y a eu d'autres éléments dont on parlera sans doute, qui font que pour moi, ces élections c'est une catastrophe. Enfin, moi, je le vis comme tel. Voilà. Françoise, Nicolas, eh bien, Sylvain Baron, vous êtes activiste français, gilet jaune et auteur du livre Révolte. Est-ce que pour vous également, ce premier tour de l'élection présidentielle en France est vécu comme une catastrophe? La catastrophe, en réalité, dure depuis plus de 15 ans et elle n'a fait que s'aggraver d'année en année, d'élection en élection. Donc non, je ne le vis pas comme une catastrophe nouvelle, ou si ce n'est une qui s'ajoute à celles qui ont déjà précédé. Non, pour moi, c'est une continuité, une belle opération marketing, comme sait très bien le faire le système macronien et l'extrême centre, hein, puisqu'apparemment, il y aurait la vote populaire qui serait extrémiste, et ceux qui sont favorables à la guerre avec la Russie, favorables au démantèlement de notre souveraineté nationale sur l'autel de l'Union européenne ou des intérêts bien compris des Allemands ou des Américains, ce sont des gens tout à fait modérés et centristes. Non, ces gens-là ne sont nullement modérés, ce sont des extrémistes, c'est eux qui tiennent le pouvoir, ils ont tous les intérêts d'argent avec eux, ils n'hésitent pas à soutenir d'ailleurs des extrémistes dans les pays baltes ou en Ukraine, qui eux, pour le coup, sont réellement nazis. Ils n'hésitent pas à fomenter des guerres, que ce soit en Afrique, au Moyen-Orient ou ailleurs, ces gens-là ne sont absolument pas modérés. Ils bénéficient de tous les soutiens qui leur permettent de gagner. Ce ne sont pas deux élections qui sont légitimes. Les résultats, en fait, traduisent le fait que les Français ne peuvent pas voter en confiance. Gamal Abina, vous êtes internationaliste. Vous serez, quant à vous, notre regard extérieur sur cette présidentielle française. Comment vous l'avez vécu, vous, du côté de l'Algérie? Je suis même dans le métro parisien, donc c'est pour ça que je vais vous parler, et je reprendrai la parole en dernier si vous voulez. Mais en substance, c'est une élection qui a conduit à la présence à nouveau du Front National. Après la première présence qui remonte à il y a 20 ans quand même, c'est le père Le Pen qui était arrivé au pouvoir, enfin au pouvoir, aux portes du pouvoir plutôt. Aujourd'hui, cette force, cette montée en puissance de l'extrême droite, c'est faite à la faveur de manipulations médiatiques, c'est faite à la faveur des augmentations de personnages comme Zemmour par exemple qu'on a mis en épingle. Et surtout, c'est fait parce que Emmanuel Macron a besoin d'un front républicain pour se faire élire. Il a pris un risque calculé et malheureusement, la gauche a été atomisée. Et aujourd'hui, on a une France qui est scindée en deux avec une extrême droite très puissante, puisque trois candidats présents à cette élection sont l'extrême droite. C'est rien de plus que la dernière élection. On a donc Zemmour, évidemment, qui est arrivé dans le jeu. Il y a évidemment un discours de droite qui ressemble de plus en plus à l'extrême droite porté par Madame Pécresse, et puis surtout il y a Dupont-Aignan qui est traditionnaliste d'extrême droite, et puis aussi entre 2 et 5%. Donc aujourd'hui on est sur trois candidats d'extrême droite extrêmement inquiétants, et un Macron qui veut bénéficier de ce soutien de ce qu'il appelle le Front républicain contre l'extrême droite pour garantir une réélection à bon compte. Cher Gamal Abina, il faut dire que ce qui s'est passé du côté de la France avait déjà en quelque sorte été annoncé par les nombreux intervenants de la télévision panafricaine qui voyaient déjà le président français Emmanuel Macron porté au second tour. Eh bien, Françoise Nicolas, on l'entend depuis hier, en tout cas depuis la publication des résultats, qu'il serait possible que les élections, ce premier tour en tout cas, aient été manipulées. Est-ce que cela peut être possible? Ah oui, oui. De façon évidente, les sondeurs, comme je le disais, je le répète, ont sciemment
et constamment minorer le vote de Mélenchon en disant de la France insoumise en présentant le combat comme étant acté. Donc en fait, il a manqué très peu de voix à Jean-Luc Mélenchon pour se qualifier. 400 000 voix, c'est 1% des électeurs, c'est très très peu. Ce faisant, enfin on arrive à un résultat où on a un vote quand même qui est très ciblé sur la par la démographie. Hein. On a des jeunes qui ont choisi un vieux et des vieux qui ont choisi un jeune et la France a clairement sacrifié son avenir. Pour en revenir quand même sur le fait que l'extrême droite soit majoritaire en France, ou du moins la droite, moi j'ai pris quelques chiffres, hein. Je vais vous faire grâce des chiffres, mais enfin on arrive à un total des gauches qui est à peine en dessous du total de l'extrême droite, hein. On arrive à une différence infinitésimale de 118 000 voix. Si on fait le total des gauches d'un côté et le total des droites de l'autre. Donc une différence de 100 000 voix, c'est très très peu. Mais comme le disaient les autres intervenants, les élections sont manipulées, notamment par les sondeurs. Hein, c'est évident et ce n'est pas nouveau. En 2017, ça avait été la même chose. Les élections sont manipulées parce qu'effectivement, il y a un système très bien ancré. On peut revenir à la composition des médias en France qui sont majoritairement détenus par une poignée d'individus et qui fabriquent des candidats, qui fabriquent des élections. Voilà. Bien, cela se dit quand même depuis la publication des résultats hier qu'il serait possible que ces élections aient bien évidemment été manipulées. Certains pointent d'ailleurs du doigt à Gérald Darmanin avec le système numérique qui a été mis en place pour ces élections-là. Mais on peut quand même dire que la surprise de cette élection, Madame Nicolas, c'est bien sûr la position de Jean-Luc Mélenchon. Il faut dire qu'il a quand même obtenu 20% des suffrages. Oui, tout à fait, mais il n'est pas qualifié pour le troisième tour. Il lui a manqué très très peu. Il lui a manqué 400 000 voix quand le candidat communiste en a recueilli 800 000. Donc c'est... Certes, Jean-Luc Mélenchon a fait une percée formidable en mobilisant énormément, notamment dans les quartiers populaires c'est particulièrement spectaculaire en Ile-de-France, mais il n'est pas qualifié pour le deuxième tour. Et ça, c'est terrible, à très peu de choses près, à 1%, à 400 000 voix près, quand, je le rappelle, le candidat communiste en a mobilisé 800 000. C'est terrible. Merci à vous, Françoise Nicolas. Bien, Sylvain Baron va quand même revenir, il faut le dire, cher Sylvain, que quand on regarde les différents scores, ils laissent un peu les gens perplexes. S'il faut revenir sur le score, par exemple, d'Anne Hidalgo, il faut dire que quand on regarde cette candidate qui faisait partie d'un parti qui a dirigé la France, comment on peut expliquer, d'après vous, Sylvain Baron, le score catastrophique d'Anne Hidalgo? Parce que l'opération depuis le départ, ça a commencé en 2017 et ça n'est que l'achèvement désormais, l'opération des macronistes était de détruire ce qu'on appelait autrefois improprement le Parti Socialiste, qui n'a jamais rien eu de socialiste ni de gauche, et la droite centriste, donc l'extrême-centre. En fait, réunir tout cet extrême-centre sur une même voie, c'est quand même beaucoup plus facile si vous continuez d'avoir de l'autre côté des opposants de pacotille que sont Jean-Luc Mélenchon, Le Pen, Zemmour, etc., qui sont là pour donner l'illusion de s'opposer à ce système-là, alors qu'ils ne sont nullement des opposants, mais des gens qui sont là pour justement permettre à la Macronie et à ce système qui est sous-jacent de pouvoir se maintenir. Donc le fait que le PS et le Parti des Républicains soient définitivement morts dans les urnes, c'est logique. Pourquoi voulez-vous que les extrémistes, la véritable extrême droite, hein, moi je dis que l'extrême droite, c'est celle qui vote Macron, qui vote Pécresse, qui vote Hidalgo, qui vote Jadot. Là, ça c'est la vraie extrême droite. L'extrême droite mystifiée, Zemmour, Le Pen, et plus encore Dupont-Aignan, ça c'est donc l'extrême centre. Et désormais en France,
Hein, ce sont des gens qui, sous prétexte de se dire de belles âmes de gauche, avoir de belles idées, de nobles valeurs, en fait, haïssent la patrie, haïssent la France, sont eux-mêmes des collaborationnistes puisqu'ils sont prêts à voter pour Macron, l'extrême droite réelle qui sévit en France, qui a cartonné les gilets jaunes, nous en a mis plein la gueule, trempé dans toutes les affaires possibles et inimaginables, a aboli nos libertés fondamentales. Mais comme à gauche, on aime le vaccin et la science, hein, même si c'est plus de la science, il n'y a que des conflits d'intérêts, on soutenait la vaccination. D'ailleurs, avez-vous vu ce magnifique Mélenchon et tous ses opposants de pacotille dans le Parlement qui se baillonnaient la gueule? Ils se baillonnaient la gueule et ils négociaient le poids de nos chaînes sur les questions du pass sanitaire, etc. Donc ces gens-là sont tous des extrémistes qui donnent l'illusion, en fonction qu'ils soient de bons ou mauvais tribuns, comme M. Mélenchon, et c'est un excellent tribun, mais c'est un traître fondamentalement, qui a voté Maastricht, qui a toujours cherché à éviter d'être fédérateur vis-à-vis des Français en évitant d'aller se rapprocher tantôt des factions « woke », entre guillemets, tantôt communautaristes, d'une autre part, et toujours en évitant de dire « il y aura un référendum clair et net sur la restitution de l'autodétermination du peuple français, soit la sortie de l'Union européenne ». Mais ça, c'est vu comme une position d'extrême droite par des gauchistes en carton qui ne connaissent ni leur histoire ni la philosophie politique et qui se permettent d'insulter le vote populaire d'extrême droite alors qu'ils sont eux-mêmes des vrais fachos. Donc tout cela, tout ce que l'on voit n'est qu'une continuité. Encore une fois, l'extrême centre, qui est l'extrême droite à mes yeux, est au pouvoir, soutenu par un vote collabo qui est en réel, qui se dit de gauche mais qui n'a rien de gauche, qui a tous les relents vichistes que l'on a déjà connus. Nous sommes dans une lente démolition de la France, ce qui est au détriment d'ailleurs du, je vais dire aussi quelque part, d'un certain nombre d'idéaux qui étaient encore reconnus à l'international, quand la France avait une position neutre, qui n'était pas couchée, aplatie sur les intérêts tantôt des Américains, tantôt de l'Allemagne, hein, que certains aiment beaucoup en France, tantôt du reste de l'Union européenne. Les européistes, par exemple, veulent ignorer que les pays baltes sont bien plus à droite qu'on ne pourra l'imaginer en France et qu'eux nous mènent vers la guerre. Ces gens-là sont prêts, au nom d'une idéologie qui nie la patrie, qui nie la souveraineté, qui nie l'autodétermination des peuples et plus encore celle de la France, de collaborer avec la Macronie, qui est la réelle extrême droite, qui est au pouvoir, encore une fois. La réelle extrême droite gouverne, j'insiste. Elle est au pouvoir. Baron, d'après vous, à vous entendre, on peut déduire que le score du président sortant Emmanuel Macron est logique? Il est cohérent. Il a tous les médias pour lui. Les médias publics comme privés sont tous dans la mainmise de cette oligarchie. La propagande est continuelle, la censure tout autant. Il y a tout un tas de personnalités qui, justement, parlent des idéaux de souveraineté nationale, de, justement, comment se défendre face à un mondialisme qui nous tue. Tous ces porte-voix, toute l'intelligentsia française, toute l'élite intellectuelle française qui a un discours alternatif à poser sur à peu près tous les sujets, vous ne l'entendez pas. Et les rares fois que vous entendez parler de cette intelligentsia, c'est toujours dans le registre de la diffamation. Donc, à partir de là, qu'est-ce qu'il nous reste? Uniquement la pensée bobo sirupeuse bourgeoise de France Inter, hein, de la belle pensée de gauche, pleine de belles valeurs, mais qui ne veut jamais s'intéresser au fond des sujets, mais uniquement faire du pathos sur les effets des politiques délétères que nous subissons, où nous avons la pensée BFM, qui est la pensée plus assumée de l'oligarchie régnante, qui va pas forcément nous faire du pathos en permanence et encore sur le Covid. On l'a vu à quel point il fallait que tout le monde chiale et tout le monde soit effrayé pour accepter les mesures totalitaires qui ont été mises en vigueur. Comprenez bien, les médias français sont tous vendus à une oligarchie. S'il est normal que les résultats en découlent, je veux dire, vous n'imaginez pas que dans un seul pays, que ce soit en Afrique, aux États-Unis, en Russie ou ailleurs, si vous avez des médias qui sont tous dans le même sens et qui censurent d'autres opinions, qu'est-ce que vous voulez? Que les gens puissent voter en conscience? Ça n'est pas raisonnable, ça n'est pas possible. Sylvain Baron, eh bien, Alain Jules Meunier, je vous retrouve donc, vous qui êtes
journalistes. Une fois de plus, les journalistes sont en ligne de mire dans ce qui est considéré aujourd'hui comme l'une des plus grandes manipulations de masse de l'histoire du côté de la France. Votre micro, cher Alain. Ok, c'est réglé. Donc je disais que bon, je suis, c'est vrai que je partage certaines idées, n'est-ce pas, de M. Baron. En revanche, je ne vais pas aller, parce qu'on dit que tout ce qui est, on va dire, excessif est insignifiant. Mais j'entends bien son discours. Mais ce que je veux dire, c'est que en réalité, de dire comme ça tout de go que Macron, c'est l'extrême droite, je me permets de m'inscrire en faux, pas ce genre d'allégation, simplement parce que, bon, on sait très bien les qui sont de l'extrême droite, on va dire, en France, hein, pays où je vis depuis plus de 30 ans, donc on sait très bien comment ça se passe réellement. Ben, ce qui est sûr, hein, ce qui est sûr, les méthodes sont peut-être pareilles. On va dire qu'au niveau des médias, c'est vraiment, d'un média à l'autre, c'est pratiquement la même chose. Et c'est assez ahurissant de voir quand même que ces médias-là, qui font en réalité de la propagande, ça j'en sais quelque chose, acceptent, n'est-ce pas, qu'on interdise des médias, notamment les médias russes qu'on a interdits dans l'Union européenne. C'est assez paradoxal. Je veux dire que si on est sûr de dire la vérité, on n'interdit pas à l'autre de dire sa vérité, si on peut dire sa vérité. Donc, en réalité, mais je crois que les enseignants de cette élection-là, sont assez, assez délicates, hein. C'est-à-dire qu'on ne sait pas très bien aujourd'hui où se situe la France. C'est vrai que Macron joue sur cette corde sensible, n'est-ce pas, où on va voir tous ces gens-là pour repartir à l'Élysée simplement parce qu'on dit que les extrêmes sont très dangereux pour notre pays, mais en réalité, c'est vrai que les méthodes sont pareilles. On a vu très bien, M. Baron parlait tout à l'heure de ce qui s'est passé avec la vaccination. C'était quand même, c'était ahurissant. C'est-à-dire que c'était des méthodes à la limite fascistes. Ça c'est vrai, tout ce que nous avons eu ici en France. Mais en revanche, ce que j'ai envie de dire, c'est que lors d'une élection comme celle qu'il y a eu récemment en France, c'est-à-dire hier en France, il faut voir les réels enjeux. Aujourd'hui, il faut comprendre que c'est le monde de la finance. Est-ce que, bon, ce sont les fachos qui sont tous dans la finance? C'est le monde de la finance qui gouverne. Ça, les choses sont claires. Mais ce que aussi en faut, face aux allégations selon lesquelles M. Mélenchon n'est pas en opposant. M. Mélenchon a eu un problème, on a vu, hein, notamment lors de cette fameuse guerre, je veux dire, opération spéciale de l'armée russe en Ukraine, on a vu comment tout le monde était tétanisé. C'est-à-dire les gens qui avaient une parole libre comme Zemmour, il a été tétanisé. C'est-à-dire qu'il y avait une dictature médiatique. C'est-à-dire que en France aujourd'hui, si vous dites la vérité, c'est-à-dire si vous demandez aux médias de dire que, mais écoutez, depuis 2014, c'est-à-dire 8 ans, le Donbass est bombardé matin, midi et soir, on va vous dire que ce n'est pas possible. Or, c'est une réalité. Et c'est une population russe. Donc, je crois qu'il y a cette dictature-là, et c'est réel, hein, et aujourd'hui, on n'accepte pas les opinions divergentes. C'est regrettable. On a vu avec ce qu'on a fait aux Gilets jaunes ici en France, hein, et pratiquement même les organisations internationales ont condamné. Tout simplement dire qu'il y a des choses à faire en France, et il y a des choses qui vont se faire, et au détriment des Français. Parce que bon, effectivement, Macron, il aura les mains libres, il fera ce qu'il veut, forcément. Bon, on sait qu'aujourd'hui, le Parti Socialiste est mort. On sait qu'aujourd'hui, le gaullisme n'existe plus. C'est clair, parce que quand on voit le score de Madame Pécresse, c'est à pleurer. C'est-à-dire qu'elle ne sera même pas remboursée de ses frais de campagne. Ça veut tout dire. Et quand on sait que ces gens-là sont restés quand même au pouvoir pendant des années, c'est eux qui sont à l'origine de la Ve République. Donc, on a des choses à se reprocher
c'est-à-dire les Français qui votent, etc., il y a un véritable problème. Où est l'alternative? C'est pour cela que moi, quand je vois effectivement Mélenchon, quand je vois cette campagne, comment ça s'est déroulé, on a bien vu effectivement Madame Françoise Nicolas le disait tout à l'heure, c'est-à-dire qu'il y a eu une espèce de déni, n'est-ce pas, de la vérité. C'est-à-dire que on vous disait hein, carrément que ben, Zemmour est à 14%. On vous disait que Pécresse est à 15%. Mais ces gens-là, on voit leur score aujourd'hui. Effectivement, on a minimisé le travail pendant 17 mois, parce que moi, je suivais M. Mélenchon. Il était partout dans les quartiers populaires. C'est-à-dire qu'il a pu ramener justement plein de jeunes qui ont voté pour lui. Et on constate hein, aujourd'hui que ce sont les jeunes entre 18 et 24 ans qui ont porté, n'est-ce pas, le mouvement des Insoumis. Donc, ça veut dire que, effectivement, les Français ont raté une sacrée occasion. J'aurais aimé assister à un débat entre Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon pour le second tour. Franchement, moi, je pense même que les Français attendaient ça. Mais la surprise est encore là. On voit Marine Le Pen, malgré des défections dans son parti, les gens ont quand même porté cette dame-là toujours au second tour. Je me pose des questions. Je ne sais pas très bien comment ça s'est passé. Et c'est pour cela qu'on se dit que, bon, est-ce qu'il n'y a pas eu quelque chose? Mais maintenant, je ne contrôle pas les élections. Mais moi, personnellement, j'étais convaincu que M. Mélenchon allait arriver au second tour face à M. Macron. Et là, il allait avoir un vrai débat. Et là, probablement, je ne crois pas que M. Macron allait faire le beau, hein, parce que ça allait être sacrément dur. Et il y a eu, forcément, une erreur de Mélenchon quelque part. Je veux dire qu'il aurait pu négocier avec le Parti communiste, qui a été dans sa candidature de l'élection précédente. Il pouvait s'arranger, bon, c'est vrai que le Parti socialiste ne voulait pas, hein. Il pouvait s'arranger avec ces gens-là, et je crois que quand on associe tout ça, forcément, il allait arriver au second tour. Mais maintenant, bon, quels sont les enseignements réels? Je crois que, je l'ai dit au début, la France est en train de dériver, effectivement, vers les extrêmes de presque toute l'Europe, hein. Et on assiste à cette dérive sociétale. Et je peux dire ceci, et je le dis fermement parce que c'est une société que je connais très bien, on a une société hypocrite. C'est-à-dire qu'on vous dit aujourd'hui dans les médias que maintenant, Marine Le Pen n'est pas antisémite, Marine Le Pen n'est pas raciste, etc., etc. Moi, je crois que le seul candidat, et ça je le dis, le seul candidat qui a eu à cette élection présidentielle qui n'est pas raciste, c'est Jean-Luc Mélenchon. J'ai suivi tous ces gens-là, mais les autres, c'est à petite dose, n'est-ce pas? Homéopathie, on fait semblant d'aimer les autres alors qu'on ne les aime pas, parce qu'on voit sur le terrain ce qui se passe réellement. Donc malheureusement, ce n'est pas que je soutiens Mélenchon, mais je dis simplement la vérité, pas ma vérité, mais la vérité du terrain. C'est le seul candidat qui pourrait faire marcher la France. Et c'est le seul candidat qui pouvait faire en sorte que la France se réhabilite réellement, parce que la France va à volo. Et là, dans 5 ans, vous verrez très bien le résultat de cette France-là, encore avec Macron, n'est-ce pas, qui est là pour les finances, simplement. Qui est l'homme des financiers de l'économie mondiale, simplement. Voilà. Eh bien, Alain Jules Meignet, il faut dire que Jean-Luc Mélenchon a d'ailleurs appelé à voter Emmanuel Macron au second tour pour barrer la voie à ce qu'ils appellent l'extrême droite. Mais est-ce que vous comprenez que les positions, certaines positions en tout cas, de la France insoumise et de Jean-Luc Mélenchon permettent à ce qu'on les attaque, à ce qu'ils soient attaqués comme ils le sont actuellement? Parce qu'il faut rappeler que Adrien Quatennens, il y a quelques heures encore, a dit que la France insoumise allait imposer une sorte de gouvernement au président Emmanuel Macron. Est-ce que vous comprenez que c'est à cause souvent de leur position ambiguë et qu'ils soient attaqués? Il a répété, j'ai suivi son discours hier, il a répété plusieurs fois, pas de voix pour l'extrême droite. Il a dit, je crois, 3-4 fois. Ça veut simplement dire qu'il a fait, ce choix-là. Mais vous savez, entre le choléra et je sais pas, la rage, c'est de ça qu'il s'agit, hein.
il faut faire un choix. Et donc, lui, il a fait son choix. On ne peut pas critiquer ce choix-là. Et ce, bon, je vois M. Baron qui critique ce choix-là. Je crois que s'il s'abstient de dire quelque chose entre le choléra et n'est-ce pas la rage, ben, je crois qu'il y a un problème. Et moi, vous parlez de la grippe et du choléra, de la peste et du choléra. Parce que entre la grippe ne tue pas, par contre la peste et le choléra, effectivement. Macron, lui, est là pour démolir la France. Qu'est-ce que vous comprenez aux questions de souveraineté nationale? Non. Je veux dire, la mère Le Pen, que ce soit... attendez, soyons clairs. Législatives qui approchent. Est-ce qu'il est possible de bloquer aux législatives la mère Le Pen? Vous me parlez de racisme. Qu'est-ce qu'on en a à foutre du racisme? Ah, là, vous croyez que c'est le problème principal des Français? Nous avons un pays qui est en train d'être... Sylvain Baron, on va permettre à Alain Jules Meunier de terminer son argumentaire. On ne parle pas de racisme, là. Laissez-moi terminer, Monsieur Baron. Monsieur Baron, on va permettre à Alain Jules Meunier de terminer son argumentaire et on reviendra vers vous par la suite. Ne vous inquiétez pas. Allez, on est... Donc, moi, ce que je veux dire, peut-être que je me suis mal exprimé. Peut-être, hein, mais ce que je suis en train de vouloir dire, c'est qu'il a ce choix à faire. C'est un choix, et ce choix est personnel. Je crois que si vous dites aujourd'hui, Monsieur Baron, que voilà, on nous critique, on ne veut pas qu'on ait la parole, et que vous interdisez vous aussi la parole aux autres, ça devient un problème. Donc, Monsieur Mélenchon a fait un choix, il faut respecter ce choix-là. C'est de demander à ses électeurs de soutenir la candidature de M. Macron. C'est sa logique à lui. Il faut qu'on l'accepte, même comme moi personnellement, je me dis que peut-être dans ce cas de figure, j'allais peut-être m'abstenir de dire, de faire un discours, j'allais laisser le libre cours. Et puis d'ailleurs, vous le savez très bien, comme moi, que nul n'a le monopole des voix de ses électeurs. Donc, à partir de là, c'est au choix des électeurs. Écoutez, la légitimité en 1940, est-ce que c'était le régime de Vichy ou est-ce que c'était le gouvernement provisoire que tentait de monter de Gaulle? Aucun n'avait la légitimité. Monsieur Baron, on va permettre à Alain Juppé de terminer sur le fait d'une guerre, sur le fait d'une monstruosité. La légalité ne signifie rien. Ça ne signifie rien. Et quand on soutient des traîtres à la patrie, quand on dit... Monsieur Baron, on va permettre à Alain Jules Meunier de terminer son argumentaire, s'il vous plaît. Permettez aux uns aux autres de terminer et qu'ils soient audibles à votre tour. Vous aurez votre temps de parole. Une fois là, vous pourrez répondre à Alain Jules Meunier. Ça veut dire que vous respectez les opinions des autres et que vous ne détenez pas la vérité. Non, toutes les opinions ne sont pas respectables. La trahison n'est pas une opinion. La trahison n'est pas une opinion. Pour la collaboration n'est pas une opinion. On va revenir sur le plateau. Retour sur le plateau pour permettre aux invités de l'autre côté de revenir à de meilleurs sentiments. Je vais rappeler les termes du débat. Une fois que vous avez la parole, vous devez permettre aux autres de parler, de vous écouter. Laissez les uns et les autres arriver au bout de leur argumentaire. Une fois que vous aurez votre temps de parole, vous aurez la possibilité et la latitude de répondre à ce que vous avez entendu et qui ne vous arrange pas. Retour dans sur le plateau pour souhaiter la bienvenue à Patient Parfendon. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir, Junior Wafo. C'était très intéressant ce débat et les joutes que j'ai constatées entre nos deux compatriotes, Jules Meunier. Et nos amis qui sont de l'autre côté, je crois que c'est aussi ça la passion. Effectivement. Quand la politique entraîne des choix aussi douloureux que, en réalité, cette histoire de demander aux gens de choisir entre la peste et le choléra, effectivement, ça peut produire des situations, n'est-ce pas, de frustration comme ce que nous constatons avec nos amis qui sont de l'autre côté. Évidemment, depuis un certain temps, c'est le monde de la finance internationale qui dicte la loi de la politique au niveau de la France. Ça se voit évidemment. Les médias sont confisqués, les médias sont aux ordres, les journalistes sont devenus en réalité des agents de propagande d'une certaine élite au pouvoir. Conséquence, c'est-à-dire que j'allais dire le droit légitime
n'est-ce pas, de peuple à pouvoir faire exercer leurs droits et leurs choix à travers les urnes est complètement obstrué par cette volonté de cette oligarchie au pouvoir d'avoir une mainmise permanente sur les affaires. Et la conséquence, c'est qu'évidemment, il y a des crises, il y a des soubresauts, il y a des scandales, mais curieusement, on voit des résultats qui ne reflètent pas la réalité de ce que vivent les Français. Par exemple, M. Fillon, pour moins que ça, a été pratiquement mis de côté. Effectivement. Mais quand on voit, ne serait-ce que l'affaire McKinsey, le scandale McKinsey, ce scandale-là, et que M. Macron arrive encore à la tête d'une élection aussi où la compétition était plus ou moins rude, bien qu'il n'y ait pas eu de campagne électorale parce que c'est une neutralité, et il a refusé d'accepter cette campagne électorale, alors on se pose la question que, au fait, que deviennent les électeurs? Les électeurs dans des pays comme la France, c'est quoi aujourd'hui? On peut bien se poser cette question. Là, je suis d'accord avec l'un des intervenants qui disait, mais tout a été confisqué, les médias sont confisqués, la parole est confisquée. Est-ce Sylvain Baron qui le disait? Ah oui, alors je suis tout à fait d'accord avec lui. Il y a une opinion, n'est-ce pas, qui est l'opinion dominante, qui est reprise en boucle par des médias qui font beaucoup plus de la propagande politique que leur travail en tant que médias impartial. Donc, forcément, on n'est pas étonné d'arriver à ce type de résultats. Pour moi, Emmanuel Macron n'est qu'un cache-sexe d'une certaine réalité. La réalité que la France, comme beaucoup de pays occidentaux, sont aujourd'hui, sur le plan de leur instance fêtière, sur le plan politique, en réalité, sont esclaves, non, le mot est peut-être lourd, mais ont été domestiqués par les forces de l'argent, par les forces de certains lobbies qui ont décidé de maintenir ce peuple-là dans cette orientation et dont le noyau peut-être est à Washington ou quelque part dans les places boursières du monde. Mais ce n'est plus le peuple français de manière légitime qui a son destin en main. Qui a son destin en main, ce n'est pas vrai ce que nous voyons. Donc, par votre conséquence, je pense qu'il y a, souvent on crie au niveau de notre continent, mais on voit très bien que cette tendance à vouloir confisquer le libre arbitre des peuples, à pouvoir se donner les dirigeants dont ils espèrent être mieux en capacité de défendre les intérêts, ça a complètement disparu avec ces élections dont on voit visiblement qu'elles n'ont plus le sens qu'une élection devait avoir. Donc à partir de ce moment-là, moi je pense qu'il n'y a que les luttes diverses, les luttes multiples, les luttes multiformes au sein de ce peuple français qui pourra ramener justement qu'il y ait une osmose ou bien une adéquation entre la légitimité politique et les volontés populaires pour pouvoir construire ce consensus républicain qui, de mon point de vue, a volé en éclat depuis très longtemps. Et on impose aujourd'hui des gens une forme de dictature politique qui est basée sur la force, sur l'argent, sur des lobbies qui n'acceptent pas qu'il y ait la moindre petite contradiction vis-à-vis de ces élites qui ont été choisies dans des officines dont personne ne maîtrise. Et c'est ça la réalité aujourd'hui de la France. Parce qu'on ne peut pas comprendre, je continue de dire, qu'on puisse avoir un deuxième tour comme ce que nous voyons. C'est quand même quelque chose... C'est ahurissant. Oui, ahurissant. Nous qui observons de loin, on se dit, mais que devient la France? Que devient cette France de cette révolution de 1789, c'est quoi cette France-là? Où est passé le peuple de France? Donc, je ne suis pas du tout étonné de le constater. Et, excusez-moi, je ne vais peut-être pas plaire, mais je dis quand même que pour moi, l'élection des gens comme Macron, comme ce fut le cas de Giscard, ce n'est que le cache-sexe d'une réalité. D'une certaine réalité, c'est qu'une partie de la France profonde, elle est beaucoup plus Zemmour, elle est beaucoup plus Le Pen qu'autre chose. Et c'est pour cela que cette élite-là s'est accaparée de tous les leviers, en réalité, qui commandent la politique et qui commandent la légitimation, n'est-ce pas, les organes de légitimation du pouvoir, au point où aujourd'hui ce sont les sondages, en réalité, qui indiquent qui va être le prochain président de la République. Je questionne même la validité de ces sondages. De plus en plus, on a l'impression qu'il faut un avenant en termes de cerveau à l'être humain pour pouvoir faire son propre choix. Donc à partir de ce moment-là, tout est galvaudé, tout est truqué, tout est faux, et je ne suis pas surpris que ceci arrive à la France. Pour la France, je crois que c'est malheureux, parce qu'au niveau de notre continent, de plus en plus, les jeunes ont compris, les gens ont compris,
que cette histoire de cette démocratie dont on nous vantait tant, elle n'existe qu'au niveau du papier, mais que dans le fond, les choix sont faits avant, les orientations de ces peuples-là qui sont drainés comme des moutons de panure, je ne sais pas où, sont déjà actées bien avant les élections. Et c'est pour cela que de plus en plus, avec beaucoup de vigueur, des luttes vont se faire au niveau de l'Afrique, au niveau de notre continent, pour ne plus continuer à accepter le diktat de ce genre-là, dont on voit visiblement qu'ils ne sont pas le fruit d'une quelconque volonté, d'une certaine quelconque légitimation de cette volonté populaire qui doit faire d'eux de véritables représentants de leur peuple et de leurs États. Et c'est pour cela que nous n'acceptons pas au niveau de notre continent cette dictature qui n'a que trop duré. Et nous continuons de nous battre ici chez nous, sur notre continent, pour qu'on change évidemment de paradigme et qu'on puisse aller vers des légitimations franches, n'est-ce pas, de ces pouvoirs politiques, pour instaurer enfin un véritable dialogue, n'est-ce pas, des peuples, que ce soit sur le plan interne au niveau de l'Afrique, mais aussi au niveau des différents continents que constitue notre planète. Continuer à voir des choses se passer comme ce que s'est passé en France, nous faire dire que nous avons encore du chemin à faire devant nous. Merci à vous, Pacha Parfendom. Eh bien, Gamal Abina, je vous retrouve donc pour rebondir sur les propos de Pacha Parfendom. Il faut dire qu'il aura fallu quelques costumes Arnis, pour ne pas citer la marque, pour faire tomber François Fillon, mais à la suite de nombreux scandales, tels que le dernier en date, le scandale McKinsey, où on parle de beaucoup de milliards qui ont été ingurgités, je vais le dire comme ça, par le cabinet américain. Est-ce qu'on peut comprendre réellement les inquiétudes du peuple français quant à la légitimité véritable de cette élection, en tout cas de ce premier tour? Je vais déjà commencer par m'introduire et par un peu encadrer les choses. J'ai entendu des choses très, très, très étonnantes. Donc, je suis d'origine algérienne, français évidemment, citoyen, et je défends les droits civiques. J'ai une organisation qui s'appelle Mouvement des droits civiques. Ça, c'est pour situer le contexte. Ensuite, donc simplement de dire que j'ai eu l'occasion de batailler à la télévision en direct face à Marine Le Pen il y a 11 ans. Je l'ai malmenée, elle n'a pas tenu la route parce qu'elle est très faible intellectuellement. J'ai eu l'occasion de batailler sur le terrain face à Alain Soral, qui est un raciste et néo-nazi, revendiqué, condamné à de nombreuses reprises parce qu'évidemment c'est un haineux. Quand vous avez ce genre de personnes en face de vous, ce qu'on appelle l'extrême droite, et c'est bien l'extrême droite dont on parle, vous avez des centaines de messages, de menaces de mort, d'insultes et de tentatives d'agression qui suivent les émissions. C'est ça l'extrême droite. J'ai eu l'occasion de discuter avec beaucoup de personnalités politiques. J'ai eu Roland Dumas. J'ai eu beaucoup de personnes en direct live. J'ai jamais eu de menaces à la suite des débats et pourtant, je les ai malmenées aussi. Donc c'est pour expliquer que quand on dit on met tout dans tout et qu'on mélange tout, on maîtrise pas ces sujets. Et là, en l'occurrence, on parle bien de l'extrême droite, de la fille Marine Le Pen et la fille d'un tortionnaire qui a assassiné en Algérie, qui s'appelle Jean-Marie, qui est parti faire la guerre parce qu'il voulait que l'impérialisme français perdure en Indochine et en Algérie. C'est ça l'extrême droite. Ce sont les impérialistes. Ça veut pas dire que les autres sont meilleurs ou plus doux. Mais il y a une chose qui n'existe pas chez les autres et qui existe chez l'extrême droite, c'est la volonté de tuer son opposant politique. Et ça, c'est une réalité. Alors je viens qu'on mélange tout. Qu'on dise par exemple que Macron serait l'extrême droite, ce qui est complètement ridicule. La principale donne qui fait que quelqu'un est d'extrême droite, parce que quand on connaît un peu l'histoire, et je la connais très très bien, donc il ne faut pas me la faire à l'envers, l'extrême droite se caractérise par deux choses. Par un nationalisme exacerbé et par une haine de l'étranger et de celui qui est perçu comme tel, le bouc émissaire. Mais c'est bien, mais c'est pas grave, on va en discuter après, parce que le problème des concepts que manifestement il échappe à certaines personnes ici, à Afrique Média qui considère par exemple, je domine là-dessus, il n'y a pas de problème, ne vous inquiétez pas, à Afrique Média j'entends dire qu'on n'en a rien à faire du racisme et que c'est pas grave, c'est intolérable. Évidemment, quand on est européen, français, blanc en France, on n'en a rien à faire du racisme puisqu'on ne subit pas, ça va de soi. Alors que, non, il n'y a pas de porniche, moi je suis quelqu'un qui est très très directif, hein, parce que n'est-ce pas, M. Baron s'amuse et plaisante. Il est pas très net dans ses positions, je tiens quand même à qualifier les choses. Parce que moi, je suis quelqu'un qui ne suis pas victime. Je suis quelqu'un qui est offensif, contrairement à vous, qui pleurait depuis tout à l'heure sur la question de le monde vous domine, la finance internationale. Maintenant, on va parler de choses qui fâchent. La finance internationale, c'est ce que les nazis ont combattu, c'est vrai. Mais ils le faisaient honnêtement, au moins, même si tout le reste était catastrophique. Bon, vous n'y connaissez rien, c'est pas grave. Ensuite, ils se sont associés avec les barons de l'industrie. C'est ce que l'extrême droite française rêverait de faire, mais elle ne peut pas le faire parce que la finance est puissante. Sauf que le capitalisme français, ça n'est pas seulement la finance internationale. Ça, c'est réducteur. On parle du CAC 40, on réduit à pas grand-chose. Le capitalisme français est aussi un capitalisme privatif de familles qui n'ouvrent pas le capital et qui sont très riches. Ces milliards qu'on voit chez les Bolloré,
chez les, qui ouvrent très légèrement le capital, chez les Leclerc, chez toutes ces familles bretonnes qui sont immensément riches et qui tiennent une partie du pouvoir en France, car les Bretons sont très puissants maintenant, eh bien ces milliards engendrés par ces gens-là ne sont pas redistribués. La question de l'égalité et de la redistribution, et il y en a qui pleurent sur la redistribution, moi je trouve que c'est un débat intéressant. Eh bien cette question-là, elle est portée par certains candidats effectivement à gauche. Je précise, je ne suis pas du tout de gauche, hein. Donc c'est très clair maintenant. Moi j'ai voté Chirac à l'époque, on ne peut pas faire plus clair. Mais il n'en demeure pas moins que quand je vois un projet politique pour calmer les ardeurs extrémistes de ce mouvement politique qui est la République en marche de Macron, qui est un agrégat de gens de gauche et de droite très dur, pour calmer ces ardeurs-là, il fallait une gauche forte pour pouvoir s'opposer à cette barbarie qui allait arriver. Aujourd'hui, on nous a malheureusement, dans une élection qui était programmée d'avance, placé, malheureusement, au second tour, c'était inattendu, mais c'est comme ça, Marine Le Pen. Pourquoi ? Parce que le Front Républicain va se constituer contre elle. Et on sera obligé soit de ne pas voter, ce qui avait été dit d'ailleurs par Mélenchon, il a parlé du consigne de vote, il a dit tout le monde contre Le Pen, sans dire qu'il faut voter pour Macron. Mais surtout, aujourd'hui, on se rend bien compte que ce clivage imposé par la classe politique et par les médias, tenu par les hommes d'affaires dont je parlais à l'instant, ce clivage-là conduit à ce que Macron passe nécessairement à la tête de l'État face à ce qui est perçu comme l'extrême droite, et elle est l'extrême droite, il n'y a pas de problème. Maintenant, s'il y a des gens qui ont du mal à comprendre les concepts de l'extrême droite, de gauche, de droite ou de centre, je ne peux rien faire pour eux. Il faut reprendre des bouquins d'histoire et se renseigner un petit peu. Mais l'extrême droite, c'est la caractéristique principale, c'est la haine raciste, le rejet de l'autre, l'ultranationalisme. Et quand moi j'ai fait des débats avec des gens d'extrême droite, j'ai été systématiquement menacé de mort. Donc j'ai pas vu ça avec les autres politiques que j'ai mal menées, hein, y a pas de problème. J'ai bousculé Royal, elle est partie en pétant un câble, mais j'ai jamais eu de menace de la part de sa frange politique. J'ai bousculé récemment encore des gens qui étaient, parce que je travaille à la radio, qui étaient en faveur de Mélenchon, et pour autant je n'ai pas été menacé. Par contre, quand c'est l'extrême droite, évidemment, les choses sont claires. Maintenant, ça fait peut-être rigoler dans les chaumières. C'est pas parce qu'on est en colère et qu'on est gilet jaune, et j'ai soutenu les gilets jaunes. J'ai travaillé pendant 3 ans avec RT France, donc je sais ce que c'est que la censure. J'étais ce matin en interview avec RT Arabique, et oui, les Arabes, ça existe. Et bien, quand on entend cela, je n'accepte pas qu'on réduise la gravité de ce qu'est un mouvement d'extrême droite pour soi-disant qualifier tous les autres d'extrême droite. Les autres sont des ultralibéraux, ils sont mauvais économiquement, ils sont effectivement souillistes par rapport à l'Amérique, c'est vrai. Mais une chose est certaine, c'est qu'on ne peut pas dire que ce soit l'extrême droite. L'ultralibéralisme est une violence suffisamment grande pour ne pas la qualifier autrement. Et pour finir mon propos, je dis simplement, alors tout à l'heure j'ai vu les titres Michel qui est sorti, je suis quelqu'un de très offensif. Quand j'étais voir Soral, je suis allé, il y avait 300 de ses partisans, et je lui ai dit en face que je pensais que c'était une raciste. C'est pas à moi qu'on l'a fait à l'envers. Moi, je considère que, et j'ai entendu un terme aussi qui m'a gêné, le wokisme, évidemment, c'est le mot magique maintenant pour les qualifier, ou le communautarisme. Le communautarisme en France a été voulu par les élites pour écraser les populations issues d'immigration et les balancer dans les banlieues. Il n'y a pas de communautarisme. Le seul communautarisme qui existe, qui est blanc à l'Assemblée nationale, c'est les Européens qui dirigent. Nous ne comptons pour rien parce que la démocratie nous est interdite. Voilà. Donc maintenant, si on parle d'extrême droite et qu'on veut relativiser, je répète que l'extrême droite, elle a un référentiel de base, c'est l'exclusion des autres, la haine raciste et la violence. Elle s'est traduite combien de fois? Je vais donner le nombre de personnes qui ont été assassinées. Le Comorien à Marseille, l'Algérien à Paris, on jette dans la Seine, on connaît la musique. L'extrême droite, c'est les anciens avec l'Algérie, c'est les anciens pétainistes, c'est toute cette racaille qui s'est agrégée autour de Le Pen, et la fille Le Pen, malheureusement, n'est pas exempte. C'est comme ça. Donc on me la frappe à l'envers. Maintenant, je suis sur Afrique Média, Média Africain. Je suis Algérien, fier d'être Africain. Et je n'accepte pas qu'on relativise la gravité de ce qu'est l'extrême droite. Parce que si elle arrive aux commandes, croyez-moi, les vieux discours néocolonialistes vont revenir dans leur bouche, comme le faisait très bien Soral au demeurant, qui ne cachait pas. Lui, c'est vu néocolonialiste. Voilà. Mon propos est très clair. Maintenant, je vais marcher un peu par le bureau, mais je vous invite à... J'écouterai la réponse avec beaucoup d'attention. Merci. Gabin Labina, justement, pour vous relancer, vous dites qu'il aurait fallu une gauche forte. Le grand projet de l'union de la gauche n'a finalement pas marché. Si vous avez été capable de vous rendre compte qu'il fallait une gauche forte, c'est-à-dire une gauche unie, comment on peut expliquer que tous ces partis, tous ces hommes politiques qui se disent de gauche n'ont pas pu se mettre ensemble? Imbécile, faut utiliser le terme. Il savait que Mélenchon était le plus solide, il savait qu'il avait fait un score record derrière mandature, pas le dernière course à la présidentielle, mais ils n'ont pas voulu lâcher le morceau. Je connais beaucoup de gens des Verts, et ben Jadot, qui est un nul atomique, qui a quand même proposé à ce qu'on envoie des armes à l'Ukraine, c'est pathétique pour un Vert, n'a pas voulu se rapprocher de Mélenchon. Madame Hidalgo, qui est une nulle complète, n'a pas voulu se rapprocher de Mélenchon parce qu'elle est bouffée par l'ego. Elle a cru qu'elle allait gagner comme à Paris, alors qu'elle s'est plantée.
tout ce qui constitue le personnel politique, je parle même pas des communistes, hein, c'est même pas la peine d'en parler, mais en substance, ils avaient juste apporté 2% de voix, c'est Mélenchon qui partait, qui passait au second tour, et Macron gagnait évidemment, hein, ça c'est évident, mais il aurait été intéressant de voir qu'une gauche forte aurait calmé les ardeurs de Macron, qui, et je tiens à préciser une chose importante, parce que j'ai entendu aussi beaucoup de choses, toute la classe politique n'est pas raciste, il y a beaucoup de racistes, beaucoup de réflexes racistes. Par contre, Macron n'est pas du tout raciste, c'est pas lui le problème. C'est son aile droite, qui est très connue, qu'on connaît, hein, qui est Laurent Berger et autres, qui sont racistes. Lui, Macron, il a démontré dès le départ, pendant 2 ans, il était tranquille, qu'il ne voulait pas de fermeture, qu'il était prêt à demander à l'Algérie des excuses officielles, ce qui est réclamé par les Algériens, il n'y a pas autre chose. Mais les autres, à droite, ont commencé à faire pression sur lui. Et notre défaut, nous, en tant que fils et filles d'immigrés, c'est de ne pas avoir pesé dans la campagne pour aider, au moins, à ce qu'il n'y ait pas cette extrême droitisation. Aujourd'hui, nous sommes responsables de ce qui arrive. Et la gauche est responsable de sa division parce qu'ils sont tous bouffés par l'ego. Et au bilan des courses, finalement, Macron repassera tranquillement parce qu'il a atomisé la droite. On voit maintenant qu'elle est quasiment en train de mendier de l'argent. Cette pauvre Valérie Pécresse, c'est tant mieux, de toute façon, elle valait rien. Et surtout, il a atomisé la gauche. Donc, on est débarrassé de 2 partis, tant mieux. Il ne reste plus que l'histoire de Macron à régler. Mais une chose est certaine aujourd'hui, c'est que si l'extrême droite arrive aux commandes, ça me fera rire comme jamais parce que il faudra qu'elle compose avec une Assemblée nationale qui lui sera hostile. Il faudra qu'elle fasse ce qu'on appelle donc une cohabitation nouvelle. Alors, probablement, je suppose, j'en ai parlé tout à l'heure, avec les gens de la France Insoumise, ça pourrait être la France Insoumise. Ce serait cocasse que l'extrême droite cohabite avec l'extrême gauche. Mais ça, c'est à voir. Je fais encore des pronostics qui ne sont pas forcément vérifiés, mais ce serait intéressant de le voir. Gamal Labina pour cette autre intervention. Eh bien, avant d'aller de l'autre côté de Zoom, on revient sur le plateau avec vous, ou patient parfum d'homme. Il faut dire que la politique française est en train de mettre en ébullition la quasi-totalité de la scène politique française et de la scène politique africaine. Non, c'est pas nouveau. Je pense que nos amis qui sont du côté de ce qu'ils appellent l'Hexagone là-bas, bon, c'est vrai, c'est des questions domestiques, c'est pour ça qu'on va au temps de passion. Mais nous, quand nous regardons ça du point de vue de l'Africain que nous sommes, nous disons, les politiques françaises, depuis pratiquement très longtemps, ont été purement des politiques racistes vis-à-vis de l'Afrique. Des politiques racistes, je pèse mes mots, vis-à-vis de notre continent, surtout pour ceux qui dirigeaient ces États-là. C'est pour ça qu'on se dit, qu'on arrête un peu avec cette petite hypocrisie, des gens qui se disent qu'ils ne sont pas racistes, comme c'est le cas, j'ai entendu, on défend Macron, mais qui en même temps nous impose de France CFA, qui en même temps n'accepte pas le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes. Sur notre propre continent, ça se voit, pour le cas malien, comme pour le cas de la Centrafrique, qui en même temps donne des injonctions à nos chefs d'État, écoutez, je vais appeler tel pour qu'il fasse ceci ou bien cela, qui en même temps refuse d'accepter qu'une certaine évolution politique au niveau de notre continent et accepter cette réalité-là pour pouvoir composer avec elle. Non, ils sont toujours dans la condescendance, dans cette morgue et cette manière de traiter en réalité les gens qui sont sur notre continent, surtout nos dirigeants, comme des moins-que-riens. À partir de ce moment-là, évidemment, pour nous, on s'est dit, ok, autant avoir Madame Le Pen comme chef d'État, comme ça l'hypocrisie est terminée. On aura maintenant en face de nous la vraie laideur, le vrai caractère hideux de la France, et nous allons en découdre. Que d'avoir quelqu'un qui vient avec un langage mielleux, un visage angélique, qui tient des propos, n'est-ce pas, bien arrondis, policés, alors que dans le fond et dans la pratique, il mène une politique raciste contre notre continent. Une fleur dans la main gauche et un couteau dans la main droite. Mais oui, ça veut dire que comment dire ça, c'est un truc de faire dans un gant de velours, hein. C'est ça le point. Ils viennent comme des agneaux, alors que ce sont de véritables loups. Sinon, chers amis, comment pouvez-vous nous expliquer qu'après autant de décennies de cette gestion catastrophique, n'est-ce pas, de la France sur notre univers politique, on continue à voir des hommes d'État français venir parler aux Africains comme s'ils parlaient aux enfants? Il n'y a même pas, même les questions de civilité disparaissent quand ils sont face à nous. Et c'est ce que nous disons. C'est du racisme. Il n'y a que des gens qui sont animés par un caractère d'une certaine domination outrancière, d'un certain décalage, je veux dire que des humanités qui ont plusieurs niveaux, qui se comportent comme le font les dirigeants français. Depuis très longtemps, nous l'avons vu, cette réaction. La Côte d'Ivoire,
On a entendu M. Sarkozy, pour un bêtise électorale, prendre son télé, faire toute une déclaration et dire, si tel est encore là, et son épouse d'ici quelques heures, il va voir, il va voir. Mais c'est quoi cette histoire-là? C'est ce que nous disons, non. Le consensus historique que nous avons vis-à-vis de Paris. France, la France, l'Algérie parle, il dit, ok, maintenant on peut reconnaître, n'est-ce pas, la guerre que la France a commis en Algérie. Mais que font les dirigeants français, en dehors de ce que Hollande est venu faire au Cameroun, pour reconnaître quand même qu'ils ont commis des guerres et des massacres et des crimes de guerre qui se sont avoisinés à des génocides sur notre continent. Même la question rwandaise, écoutez ce que dit Macron, même la question algérienne. Donc, cette affaire-là, où nous avons des gens qui ont des attitudes, qui ont des pratiques, qui en réalité se revêtent d'un caractère raciste assumé, il faut enfin qu'on arrête avec ce caractère soporifique, c'est-à-dire que ce vernis qu'on pose sur les visages et sur les attitudes, autant affronter justement les gens qui vont dire que vous êtes un nègre, vous êtes un sous-homme, et comme ça peut-être que ça va créer un électrochoc au niveau de notre continent pour que enfin tous les citoyens africains se rendent compte que cette bataille-là, il faut qu'on la mène pour faire comprendre à ce colonel Master que les temps sont révolus et qu'il est grand temps qu'on arrive à une autre situation, qu'on crée une nouvelle situation en créant un nouveau paradigme où les rapports seront maintenant des rapports de discussion, de dialogue, mais aussi d'affrontement sur le plan intellectuel et sur le plan politique avéré. Je continue de dire avec insistance que M. Macron, c'est le cache-sexe de cette affaire-là. On nous parle de Mme Le Pen comme l'hyper-racisme. Sinon, lui-même, c'est un raciste. Pourquoi on continue d'imposer aux Africains le franc CFA? Ne venez pas me dire que c'est aux dirigeants africains d'accepter ou de ne pas accepter. On sait que c'est faux. On a vu... Ils sont tenus. Mais c'est eux. On a vu avec l'attitude qu'ils ont eue avec le président tchadien, le nouveau président tchadien, ils n'ont pas eu avec Assimi Goïta. Effectivement. Est-ce que le Mali n'a pas le droit de choisir le nouveau partenaire pour essayer d'assurer la sécurisation de son espace? C'est quoi cette affaire-là? Et chaque fois, on nous crie, oh Dieu, ce sont des criminels, ils se sont alliés avec des ministres, des mercenaires de Wagner. C'est un gouvernement illégitime. Cher monsieur, excusez-moi de vous le dire, quand vous envoyez les armes en Ukraine, quand vous envoyez, et ça aujourd'hui c'est connu, n'est-ce pas, quand vous envoyez des forces spéciales, n'est-ce pas, de toutes ces barbouzeries combattre en Ukraine, vous dites que vous êtes contre que Macron est contre le racisme, et on soutient un État qui est entouré de néo-nazis. C'est quoi le groupe Azov? C'est quoi le secteur droit? Nous avons aujourd'hui des images au niveau de notre continent. Donc arrêtez avec cette hypocrisie. Nous voulons voir les démons en face, que des maîtres démons qui se drapent de la peau de d'agneau pour venir encore raconter des balivernes aux Africains. Qu'on arrête le point de fer dans le gant de velours. Qu'on arrête cette affaire-là et qu'on affronte enfin la vérité. Que ce soit Macron, que ce soit Mme Le Pen, ça va être la même politique raciste vis-à-vis de l'Afrique, et ça, nous ne l'acceptons plus. C'est ce que nous disons depuis très longtemps, plus d'une décennie sur ce plateau. Donc, pour moi, à ce qui me concerne, peut-être que c'est une chance pour les Africains qui sont encore dans ce sommet comateux de se réveiller, et pour cela que Mme Le Pen arrive au pouvoir. Ça, c'est mon point de vue. Comme ça, on saura qui est en réalité notre ennemi. Que des gens qui viennent se balader en Afrique, racontent que la France-Afrique est terminée, alors qu'ils sont encore plus France-Africains que les Focards. Donc il faut arrêter avec cette hypocrisie, avec cette manière de ne pas vouloir dire la vérité à nos amis français. Il faut leur dire cette vérité-là. Et je sors par là, si vous permettez. L'histoire des gilets jaunes, il est évocateur. Tout à l'heure, on parlait que non, ce n'est pas des questions de la finance internationale. Mais c'est quoi cette histoire-là? Cette petite oligarchie politique au niveau de l'Occident qui soumet son propre peuple à un diktat sans nul pareil. Cette violence politique et même physique qu'ils imposent à leur propre peuple. Mais imaginez donc pour nous qui sommes au niveau de la périphérie, si c'est au regretté Samir Amin, ils s'en foutent complètement de nous. Le paradis fiscaux, c'est quoi? Ces accords de coopération, c'est quoi? Les bases militaires françaises sur notre continent, c'est quoi? Et donc, je suis désolé de vous le dire, et c'est surtout encore... Chaque fois, la France, au niveau du Conseil de sécurité de l'ONU, avec des résolutions, soi-disant pour condamner les actes que certains Africains posent. Où les problèmes français là-dedans? En quoi la France est-elle responsable du devenir des Africains?
Pourquoi c'est toujours elle qui se met en avant? C'est du racisme, mon cher ami. Le racisme a plusieurs... À plusieurs formes. Oui, à plusieurs formes. La forme policière de Macron ne marche plus en Afrique. Nous avons découvert, nous avons compris qui il est. Mais dites à ces gens-là que nous, en Afrique, on a beaucoup saigné. On s'est beaucoup sacrifié. On a porté notre contribution pour qu'un nouveau monde libre émerge. Avec le sacrifice des milliers et des milliers d'Africains. Tu fais partie de la ville de Douala au Cameroun. En Djamena, c'était 17 000 hommes. Est-ce que vous vous souvenez du sacrifice, par exemple, des Maliens dans cette guerre contre la peste brune, pour qu'un nouvel ordre mondial s'installe, ordre de paix, de valeurs, qui sont d'ailleurs décrits dans la charte, n'est-ce pas, de la Constitution française, et dont nous ne voyons pas beaucoup. Si nous revisitons l'histoire de nos rapports avec ces gens-là, excusez-moi le terme, c'est vraiment des rapports enclins de beaucoup de racisme, et effectivement, comme après ce fameux discours de Brazzaville, cette conférence de Brazzaville, on a trois individus, M. De Gaulle, M. René Pleven et Jacques Soustain, qui se mettent ensemble dans une chambre et répondent cette monnaie nazie dont la France avait subi, n'est-ce pas, les désastres. Et jusqu'à aujourd'hui, nous nous débattons là, comme un petit poisson rouge dans un bocal, sans pouvoir s'en sortir. On nous dit, la faute, c'est aux dirigeants africains qui ne prennent pas leurs responsabilités. On voit comment on couvre, n'est-ce pas, les crimes de leurs amis. Et chaque fois que les peuples africains essaient de se mettre debout pour revendiquer, n'est-ce pas, leur autonomie, leur liberté, leur indépendance, on les tape dessus. Ça, nous n'en voulons plus. C'est pour cela que pour nous, M. Macron n'est rien d'autre qu'un cache-sexe. Nous avons besoin de voir notre véritable ennemi, qui est l'aspiration profonde de cette France raciste qui n'a jamais cessé de l'être. Je suis obligé de le dire, Pétain n'était pas, spontanée. Non, ce n'est pas nécessairement un laboratoire, c'est une réalité de la société française aujourd'hui. Et il faut la combattre pour aider justement ceux de nos amis qui sont au sein de ce peuple français-là de pouvoir s'affranchir de cette oligarchie qui continue de dicter une politique contre-productive au niveau des relations entre le peuple, mais surtout une politique qui entraîne complètement notre planète dans les destins que personne ne peut imaginer. Vous dites que vous êtes contre la destruction de notre planète. Vous faites des COP 21, COP 30, c'est pas COP 3, mais vous êtes prêts à acheter du gaz de schiste américain qui est le produit d'une fracturation hydraulique qui détruit la nature. Mais on est où là? On nous dit non, il faut vraiment qu'on fasse attention à la nature, et vous continuez d'avoir des politiques où on coupe les forêts chez nous parce que c'est vous qui êtes les principaux bénéficiaires. Et ces gens-là, ils ne se gênent pas de dire que c'est eux qui sont les défenseurs de la forêt, n'est-ce pas, du bassin, n'est-ce pas, du Congo, etc., etc. Ce sont des discours qui ne passent plus sur notre continent. Donc je dis et j'insiste, je préfère avoir Mme Le Pen parce qu'enfin j'aurai la réalité profonde de la politique française en face de moi maintenant pour faire ce combat. Que d'avoir quelqu'un qui nous raconte des balivernes à longueur de journée et dans les discours, mais dans les attitudes, qui fait exactement ce que vous reprochez à Mme Le Pen. C'est ça mon problème, et c'est le problème de beaucoup de jeunes Africains aujourd'hui. Merci à vous, Patient Parfendon, pour ajouter de l'eau à votre moulin. Il faut rappeler et inscrire cela dans la mémoire des jeunes Africains que le président français de l'époque, Nicolas Sarkozy, avait traité le président ivoirien Laurent Gbagbo, président élu de la République de Côte d'Ivoire, de voyou, le voyou d'Abidjan. Mais il a fait pire, il a dit que les Africains ne sont pas entrés dans l'histoire. Ah oui, mais quelqu'un qui vous dit ça, c'est quoi? Mais c'est du racisme. Mais vous voulez encore quelle expression pour que quelqu'un vous dise que vous êtes des sous-hommes? Vous n'êtes pas entré dans l'histoire. Vous ne valez rien. Mais quand quelqu'un vous dit ça, qu'est-ce que vous attendez? Donc je dis franchement qu'il faut que nos amis qui sont de l'autre côté, qu'ils m'excusent de peut-être de mon temps. De la dureté des propos. Mais c'est parce que nous en avons marre. Nous ne pouvons plus accepter cette escroquerie qui a lieu chez vous, où vous avez des semblants d'élection, avec des semblants de candidats, dont c'est pertinemment qui va être au finish déclaré chef de président. Cette fausse élection ne nous sert plus à rien. Et vous caricaturez les gens, ah, tel, il est raciste, il est ceci. Non, M. Macron est un raciste lui aussi. Et ça, il faut être capable de l'assumer. Merci à vous, Patient Parfendom. Eh bien, Françoise Nicolas, on vous retrouve donc pour continuer de parler de ces pratiques, il faut dire. Et rappelez que vous-même, en tant que, je le disais tout à l'heure, membre du système, vous avez été victime
de ces grandes manœuvres de racisme de la France du côté du Bénin. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus? De France au Bénin, et il se trouve que dans le cadre de mes activités, j'ai constaté des détournements de fonds publics. Hein. C'était général à l'échelle de l'ambassade, mais à un moment donné, ces détournements ont été faits en mon nom, hein, engageant ma responsabilité de chef de service. Voilà. J'étais l'objet de menaces de la part de la hiérarchie de l'ambassade, de pièges, de menaces précises, de menaces graves. Et surtout, on a tenté de me tuer à mon bureau quelques temps plus tard. Et c'est une intime du chef de l'État béninois, une intime de Yahi Boni et de Faure Gnassingbé qui a tenté de me tuer. Donc, intime par le biais de son amant, Marcel de Souza, hein, que d'entre vous peut-être se souviendront du nom. Marcel de Souza, donc sa maîtresse a tenté de me tuer à mon bureau de l'ambassade de France au Bénin, parce que clairement elle bénéficiait des détournements de fonds publics. Et la tentative de meurtre a échoué, mais moi j'étais sanctionnée et j'étais radiée de la fonction publique il y a 4 ans, voilà. Et donc ma particularité, c'est que je témoigne publiquement depuis des années de ce qui m'est arrivé, d'une certaine réalité de la France-Afrique, hein, parce que tout ça devant les tribunaux français, ça m'a valu la raison d'État. Donc les lois ne me sont appliquées au titre de la raison d'État, voilà. Et j'en témoigne année après année, documents à l'appui. J'essaie de me faire entendre parce que on parlait des médias. Moi, je ne suis pas du tout relayée, hein, par les grands médias. RT France, on l'a évoqué, m'avait consacré quelques sujets, etc. Mais moi, je suis quelqu'un de l'intérieur qui témoigne année après année, tweet après tweet, d'un aspect de la France-Afrique. Hein, voilà. Qui est bien vivante, hein, la France-Afrique, elle est bien vivante parce que j'en fais encore et encore devant les tribunaux français avec constance, hein, voilà. Eh bien, Françoise Nicolas, pour vous le dites, la France-Afrique, elle est bien vivante. Est-ce que vous partagez donc l'avis de ceux-là qui pensent que cette France-Afrique est entretenue par le système colonial français mis en place sur le continent et également par un système mis en place de l'autre côté de l'Hexagone? Ah bah oui, carrément, parce que la France-Afrique, elle a différents niveaux. Hein, au niveau général, bon, ça permet à la France d'avoir des voix à l'ONU, etc. Mais d'une façon plus prosaïque, hein, plus terre-à-terre, c'est une façon pour beaucoup de s'enrichir. Alors je pense qu'il y a, dans mon histoire, il y avait par exemple un financement de partis politiques, mais il y a des enrichissements personnels très conséquents et très faciles en Afrique. Hein. L'argent détourné, la France-Afrique, c'est ça aussi. C'est des circuits de détournement d'argent, hein, et notamment à des fins privées. Voilà. Même la justice, les gens se gardent, hein, pour le dire différemment. Peut-être voilà. Considéré comme un pare-balles pour la France-Afrique. J'ai mal entendu votre question. La question est celle de savoir, est-ce que, à vous entendre, est-ce à dire que même la justice française peut être considérée comme un moyen pour défendre la France-Afrique? Ah bah oui, enfin de toute façon, moi je suis confrontée de façon très claire à la raison d'État, hein, puisque la personne qui a tenté de me tuer était proche des autorités béninoises. Ça donne dans les décisions de justice, on n'applique pas les lois de la République. On ne m'applique pas les lois de la République. Pour maintenir les bonnes relations diplomatiques entre la France et le Bénin, c'est de la raison d'État. Oui, les tribunaux valident à tous les niveaux. Hein. Voilà, moi, la femme qui a tenté de me tuer n'a jamais été inquiétée depuis 12 ans. Elle est toujours en fonction, avec de grosses guillemets, à l'ambassade de France au Bénin. Elle n'a jamais été inquiétée. Et les détournements de fonds publics sont avérés de maintes façons. Voilà, mais bon, ça, il n'empêche que les tribunaux français, enfin, me sanctionnent de même façon, valident les sanctions et entérinent la raison d'État. Voilà. Donc la France-Afrique est bien vivante. J'en suis hélas l'illustration. Eh bien, Françoise Nicolas, ces détournements de fonds dont vous parlez, étaient-ils perpétrés par l'ambassadeur était-il au courant? Ah, bien sûr, c'était lui qui était à la manœuvre, bien sûr, bien sûr.
Il a l'ambassadeur de France au Bénin était à la manœuvre. Dans cette histoire, il y a eu deux lanceurs d'alerte, donc moi, mais avant moi, il y a eu un premier chef de bureau, enfin un premier cadre supérieur de l'ambassade qui avait eu en main les preuves comptables de détournement à l'échelle de l'ambassade en qualifiant de pivot du dispositif, qui en avait fait rapport au Quai d'Orsay, à l'Élysée, qui du coup avait été écarté. Et voilà, et puis bon, ben moi dans la foulée, j'étais l'objet de menaces et on a tenté de me tuer, voilà. C'est la réalité de la. Donc cet argent évidemment était destiné aux Béninois, et il est allé dans les poches, dans la poche de l'ambassadeur et de certains de ses collaborateurs, voilà. Comme il ne se cachait pas, moi je pense qu'il y avait sans doute un financement de partis politiques. À l'époque, ça se passait sous Sarkozy, mais ensuite. Ma situation s'est dégradée sous Hollande et j'ai été radiée sous Macron. Donc, voilà. Donc ça paraît peut-être être un petit bout de. Le petit bout un petit bout de France-Afrique, finalement, mais moi, je témoigne de ce que j'ai vu de l'intérieur. En tant que diplomate, c'est quand même pas rien. Voilà. Et la France-Afrique est bien vivante, je peux vous l'assurer. Hein. Voilà. Merci à vous, Françoise et Nicolas. Eh bien, Sylvain Baron, on va donc vous retrouver. Merci en tout cas, Françoise. Nicolas, pour ce témoignage. Sylvain Baron, on a écouté le témoignage de Françoise Nicolas. La situation a débuté sous Nicolas Sarkozy, elle a continué sous François Hollande et s'est terminée finalement avec le président Emmanuel Macron. C'est donc là le signe d'une certaine continuité de la France-Afrique, peu importe celui qui viendra à la tête de l'État français. Pour ce qui nous intéresse ce soir, Sylvain Baron, c'est bien sûr le président français Emmanuel Macron. Il faut revenir un peu parce que quand on regarde le score qu'il a, en tout cas qu'il a eu pour ce premier tour, il faut dire qu'avec, sous la présidence d'Emmanuel Macron, on a eu de nombreux scandales. On a eu l'affaire Benalla, on a eu les gilets jaunes, on a eu la gestion calamiteuse du Covid-19, on a eu le pass sanitaire, le dernier gros scandale en date, c'est quand même le scandale des détournements de McKinsey. Comment on peut donc comprendre les résultats de cette élection, de ce premier tour en tout cas? L'abêtissement. Mais encore une fois, ça marche dans pratiquement tous les pays du monde. Je veux dire, c'est tout à fait humain. D'abord, la majorité des gens, lorsqu'ils travaillent, lorsqu'ils rament pour pouvoir s'en sortir, se désintéressent fondamentalement de la politique. Hein. Ils ont d'autres préoccupations dans la vie qui est celle d'abord de pouvoir se nourrir, comme tout un chacun. Et lorsqu'il voit le spectacle absolument affligeant de ce qui est, de ce qu'on appelle politique à la télévision française, ça les dégoûte, ça ne leur donne absolument pas envie de s'y intéresser. Ça n'est pas du tout de la philosophie du droit, de l'histoire, de l'économie, de la géopolitique, des dossiers sérieux qui sont traités sérieusement. Quand par exemple on érige le racisme comme si c'était le problème fondamental des Français, je vais vous dire, c'est tellement marginal et sans réelles conséquences. C'est comme si vous disiez le problème principal des Sénégalais, c'est l'homophobie. Non, les Sénégalais, ils ont plein d'autres problèmes à régler dans leur pays, plein de problèmes politiques. Où l'homophobie n'est pas un problème qui les préoccupe. Ils savent que ça existe, ils savent que ça peut parfois entraîner quelques faits divers chez quelques imbéciles, mais ça n'est pas un problème en soi. Ça ne va pas empêcher le Sénégal de survivre ou ça ne va pas être la cause de l'effondrement du Sénégal. Ce que les Africains doivent bien comprendre, c'est que ce qu'ils subissent de la part de la France, et pas seulement de la part de la France d'ailleurs, parce que les ingérences étrangères sont tout azimut en Afrique, mais la France y prend clairement sa part depuis des décennies. Quand les Français réclament à ce que leur liberté à disposer d'eux-mêmes soit respectée en leur propre pays, que par exemple M. Gbagbo voulait fonder la monnaie ivoirienne de résistance qui n'a absolument pas plu à M. Sarkozy et à un certain nombre d'autres acteurs et qui l'ont renversé par voie militaire. De la même façon que lorsque M. Kadhafi voulait proposer le dinar or et avait une politique qui était finalement, on pourrait presque dire, finalement dans les vues françaises, puisqu'il défendait la laïcité en son propre pays, comme c'était le cas d'ailleurs pour M. Bachar al-Assad. La France, pourtant, s'est à chaque fois ingérée dans les affaires de ces pays de façon criminelle, les a empêchés de se développer économiquement.
le patronat français qui a toujours soutenu les mêmes instances politiques au pouvoir, lui, profite de la misère en Afrique. Pourquoi ? Parce que lorsque nous allons avoir des milliers de gens qui vont chaque année traverser un désert au péril de leur vie, puis une mer Méditerranée, pour se retrouver finalement en France sans réelle dignité, sans réelle assise sociale et avec un rejet de la population, non pas parce qu'elle est raciste, mais tout simplement parce que c'est comme dans n'importe quel pays d'Afrique ou ailleurs dans le monde. Si vous voyez chaque année des milliers et des milliers de gens qui viennent d'un autre pays, quand bien même c'est pour des raisons sociales, quand bien même c'est pour des raisons de travail, ils viennent dans votre pays, eh bien au bout d'un moment, vous ne pouvez plus. Ça n'est tout simplement pas gérable. Ça n'est pas une question de racisme, ça n'a jamais été. C'est un phénomène qui est subi et qui n'est pas tolérable pour la population haute. C'est normal. Et bon, là actuellement, ce que l'on fait, c'est qu'il y a des gens qui arrivent en France avec l'immigration que l'on veut ériger comme si c'était le point focal des Français, ce qui nous intéressait et qu'il faudrait analyser le prisme de la montée du FN, enfin de Madame Le Pen ou de Monsieur Zemmour comme étant ce problème-là. Ça n'est pas vrai. Ça n'est pas vrai. Les Français votent par opposition sans vraiment être intéressé au sujet. Le racisme n'est absolument pas un sujet pour nous. La question de la souveraineté face à la mondialisation est le sujet, parce que c'est vrai que M. Gamal, qui est à gauche, nie le fait que nous sommes en train de perdre notre autodétermination. Ça ne le dérange pas qu'on soit dans l'Union européenne, il est à gauche. Donc, comme il est à gauche, il est mondialiste, il considère que le monde est bisounours, c'est magnifique, on s'aime avec les autres, et l'Union européenne est un projet bisounours de paix entre les Européens. C'est un projet raciste et nationaliste, c'est un projet d'extrême droite, que d'ailleurs les nazis défendaient de faire cette Europe, hein, à leur vue. On est en train de refaire strictement la même chose, c'est un projet réellement d'extrême droite, ultranationaliste, fondé sur rien, qui est aussi méprisant et raciste vis-à-vis des autres civilisations du monde, puisqu'on a bien compris que les sous-peuples dans le monde sont en Afrique, en Russie, en Asie, etc. Et comment ils appellent ça ? C'est même plus ils ont un terme hein, pour dire la communauté internationale. C'est-à-dire, dans la communauté internationale, il y a les États-Unis et les pays de l'Union européenne, quelques pays anglo-saxons du Commonwealth, et le reste, ça n'existe pas. Hein, c'est-à-dire qu'une toute petite minorité de pays dans le monde impose leur vue au reste du monde, et on devrait considérer que les choses sont normalisées comme ça. Je dis au peuple d'Afrique, ne considérez pas que les Français s'intéressent à Marine Le Pen, à Monsieur Mélenchon ou tous ces fanfarons qui sont des opposants de pacotille et qui sont des extrémistes chacun à leur façon. La gauche est extrémiste en France, elle est violente et moi je me suis déjà fait agresser par des minorités d'ultra-gauche qu'on appelle antifa, hein, mais qui ne sont rien d'autre que des fachos. De la même façon qu'apparemment M. Gamal s'est fait insulter ou menacer par quelques groupuscules d'extrême droite qui existent aussi. Hein. Je ne nie pas qu'il n'y a pas une extrême droite en France, identitaire et débile. Mais l'extrême gauche comme l'extrême droite sont rejetées par la majorité des Français et pour le moins des Gilets jaunes. Nous n'avons apprécié ni l'un ni l'autre. Aucun rattrapage partisan, nous n'aimons pas ça. Si vous voulez vraiment comprendre les Français, ceux qui s'intéressent au monde et qui finalement défendent exactement les mêmes problématiques que l'on défend en Afrique, à savoir déjà être indépendant chez soi. Nombre de pays d'Afrique veulent avoir leur souveraineté monétaire, avoir une liberté commerciale, ne serait-ce qu'à l'intérieur du continent africain, pouvoir se développer normalement, avoir un développement industriel, avoir un développement agricole qui soit normalisé. Ils ne demandent pas plus à avoir leur indépendance, décider pour eux-mêmes de leurs choix politiques en toute matière. Les Français veulent rejeter les salopards qui veulent nous enfermer dans l'Union européenne, pardon, qui est un système qui abolit la souveraineté nationale. Et c'est pourquoi la gauche perd, parce que la gauche fait des fixettes sur des sous-thématiques qui désintéressent les Français, qui ne remplissent pas leur frigo, qui ne leur rend pas leur démocratie ni leur souveraineté. Et la gauche nous trahit depuis des années, autant que la droite, autant que l'extrême droite. Si les Français perdent, si le système macronien se maintient, c'est parce que l'extrême gauche comme l'extrême droite nous trahit. Ils sont tous européistes.
chercher les seuls, quelle a été la seule voix dans cette élection qui a dit « je proposerai très clairement un référendum sur la sortie de l'Union européenne ». Ça n'est pas M. Mélenchon qui l'a proposé. Jamais M. Mélenchon ne le proposera. C'est un Maastrichtien. Ne l'oubliez jamais. C'est un traître. Quand M. Macron était à Marseille, hein, et que M. Mélenchon, qui était aussi de passage à Marseille devant les caméras, disait « Oh là là, monsieur, je ne sais plus ce qu'il disait de Macron, il disait « c'est un fasciste, c'est un raciste, c'est tout ce que vous voulez ». M. Macron approche avec les caméras « Oh non, moi j'ai jamais dit ça, non, non ». On a même fait un dîner ensemble, Monsieur Macron et M. Mélenchon dînent ensemble. Il faut comprendre que tout ça, c'est de l'opposition de pacotille pour agiter les Français. Et d'ailleurs, vous savez quoi? Les vrais opposants, ils sont censurés en France. Pourquoi, justement, M. Mélenchon, Mme Le Pen, M. Zemmour sont des gens qui sont très bien médiatisés? À votre avis, les gens qui sont bien médiatisés dans les médias français sont des gens inoffensifs ou qui roulent sur pour le système? Et il n'y a que des gogos pour voter pour ces gens-là. Donc, que les Africains nous comprennent bien, les extrémistes sont au pouvoir, M. Mélenchon comme Mme Le Pen sont des opposants en carton qui nous sont érigés médiatiquement comme des épouvantails. L'un, parce que va justement avoir une position qui est toujours pro-immigrationniste, qui est détestée par 70% de l'électorat français, et non pas pour des considérations de racisme, encore une fois, ou alors justement des positionnements qui sont imbuvables avec cette... oui, le woke, vous détestez ça, monsieur Gamal, comme mot, mais pourtant ça existe. Désolé, hein, ça existe. Donc ça, ces positionnements sont détestés, ils sont extrémistes, ils sont fascisants, de la même façon que les positionnements de l'extrême droite française version Zemmour ou Le Pen, qui sont ultra-identitaires et essentialisants en disant qu'en gros, le problème des Français, le seul problème qu'on aurait, ce serait les Arabes, hein, je vais résumer la question. C'est raciste, ça ne nous intéresse pas, c'est pas comme ça qu'on regarde notre pays. Notre pays, il se gouverne selon des considérations géopolitiques, économiques, c'est par ça que l'on regarde les choses, par le droit. Qu'est-ce qu'il y a dans ces foutus traités européens? Pourquoi il faut en sortir? Comment ça fonctionne la monnaie? C'est quoi le bon taux de change pour la France? Quelle est l'attitude de la France vis-à-vis des États-Unis à avoir? Est-ce qu'on doit être encore leur larbin ou est-ce qu'on doit se sortir de l'OTAN au plus vite et faire savoir aux Américains qu'ils peuvent aller se faire foutre de la même façon que les Allemands ne sont pas nos amis et que leur accaparement de notre industrie stratégique... On n'est pas aveugle, on le voit très bien, la gauche l'est peut-être aveugle, il n'y a pas de souci, la gauche est idéologique, mais nous, on le voit. Quelles sont nos relations, quelles sont les relations que doivent avoir la France avec le reste du monde, y compris sur les questions d'immigration, quelle est notre relation que nous devons avoir avec la francophonie, qui est un poids pour la France, qui est un poids positif, que les Américains et les Européistes veulent d'ailleurs démolir. La France-Afrique... Selon leur point de vue, hein, la France-Afrique, selon le point de vue des Français authentiques qui respectent le principe d'autodétermination des peuples, nous sommes le peuple qui avons inventé cette notion, hein, la souveraineté nationale, le principe d'autodétermination des peuples, la liberté des peuples à disposer d'eux-mêmes, tous ces fondements juridiques qui existent dans le droit international, ce sont les Français qui les ont inventés. Donc, les Français sont très soucieux de cela pour eux-mêmes, mais aussi pour les peuples africains. Ils le sont réellement. Et pourquoi il y a un attachement? Parce que je fais partie justement, moi, de ces Français qui ont baigné depuis longtemps dans ce pays qui est universaliste, qui est porté sur le monde. Sachez que mon beau-père est africain. Il est originaire du Tchad. J'ai été élevé par un Tchadien. Il se trouve que je ne suis pas le seul comme ça parmi les Français. J'ai beau être blanc, en fait, il y a beaucoup de Français... de toute tendance politique confondue, de toute considération, de toute origine sociale, ont des gens dans leur famille qui ne viennent pas de France, qui viennent d'Afrique, qui viennent d'Asie, qui viennent d'ailleurs. Le peuple français n'est pas raciste. Il n'y a que quelques imbéciles qui sont monocentrés sur des débats identitaires qui le sont. Et le racisme de gauche est encore pire que le racisme de droite parce que c'est un racisme hypocrite. On se sert de la détresse humaine, de la détresse sociale pour pouvoir...
du beau et gentil. Je pense à la veuve et l'orphelin. Je suis contre le racisme. Je suis contre le fascisme. Regardez, je suis quelqu'un de bien. C'est ça la gauche en France. Ce sont des gens narcissiques, hypocrites, absolument détestables et fascisants. Il ne faut pas croire que les Français s'y intéressent. La gauche comme la droite populiste sont des pseudo-alternatives qui existent médiatiquement simplement parce qu'ils sont inoffensifs. Eh bien, Alain-Jules Meynier, je vous retrouve donc. Le débat est très passionnant ce soir. Les uns et les autres, vous le vivez à votre manière de votre position. Mais on peut quand même s'interroger. On a vécu ensemble, on a traversé ensemble le premier quinquennat du président français Emmanuel Macron. On a donc assisté hier à la proclamation des résultats de ce premier tour. Une surprise finalement qui n'en est pas une parce que cela est annoncé depuis des années. François Emmanuel Macron, autant pour moi, et Marine Le Pen au second tour de l'élection présidentielle avec une victoire finale du président français Emmanuel Macron. C'est pour ça que je dis une surprise qui n'en est pas une. Après avoir traversé le premier quinquennat d'Emmanuel Macron, Alain-Jules Meynier, comment entrevoyez-vous le deuxième du chef de l'État sortant en cas de victoire de ce dernier lors du second tour? Ouvrez votre micro, Alain-Jules Meynier. D'accord. Voilà. Je crois que les choses sont claires. Hein. Il a dit qu'il n'a pas, d'après son programme de 2017, il n'a pas pu le réaliser simplement parce qu'on a eu la Covid et on a eu certains petits problèmes, notamment la réforme des retraites. Hein. Donc, il dit que c'est sur ça qu'il va travailler pour son prochain quinquennat. Bon, maintenant, est-ce que c'est vrai? Vous savez, les hommes politiques, hein, ils disent souvent des choses et puis après, ne le font pas. Hein. Il est dans cette dynamique-là. Maintenant, ce qui est sûr, c'est que déjà, il va gagner cette élection-là. Les choses sont claires. Je crois qu'il y aura un front dit républicain qui sera avec lui, n'est-ce pas? Le 26 avril, hein, quelque chose comme ça, je crois. Donc, je crois personnellement que bon, c'est bis repetita. Il n'a pas une baguette magique pour régler tous les problèmes, parce que les problèmes, il y en a. Et je crois très bien que, à l'allure où vont les choses, il est possible qu'il fasse entrer, justement, dans son gouvernement. Il a vampirisé déjà le Parti Socialiste, la droite et tout ça. Peut-être que maintenant, il va abonder du côté de l'extrême droite. Hein. Je veux dire, il a cette capacité-là, ce jeune homme, qui a tout flingué sur son passage. Hein. Quelqu'un qui venait de la finance et tout, on ne sait pas jusqu'à aujourd'hui par quelle alchimie François Hollande est allé le chercher, n'est-ce pas? Il avait une carrière dans le privé qui était apparemment florissante, chez Lazare, et puis après il se retrouve ministre des Finances. On n'arrive réellement pas à comprendre quel est ce parcours-là, mais bon, finalement on sait hein, que ce sont des recommandations, n'est-ce pas, de ce monde de la finance-là. C'est pas pour rien qu'il vient au ministère de l'Économie, hein, bien évidemment. Et il était tellement sûr de lui qu'on se disait que bon, il a un destin national. Et les pros sont là, il a ce destin national. C'est aussi quelqu'un qui a eu des déclarations à Davos, notamment, où il parlait d'un pacte mondial, n'est-ce pas, sur la biodiversité. Alors c'est assez paradoxal aujourd'hui quand on voit ces gens-là avec l'opération spéciale russe en Ukraine, crier au loup, eux qui ont ignoré, n'est-ce pas, les massacres, n'est-ce pas, le génocide, je crois que les mots ont un sens, le génocide des différents gouvernements après le coup d'État de 2014 en Ukraine, n'est-ce pas, où on a mis Yanukovych à côté, Loukachenko est venu, il a massacré les populations du Donbass, hein, tout le monde est au courant, mais les médias occidentaux n'en parlent pas, les médias américains n'en parlent pas, donc durant 8 ans. Donc je crois que ces gens-là, ce sont des hypocrites, ça c'est une réalité, et il faut voir, hein,
ces gens-là qui vont parler, je sais pas, qui parlait tout à l'heure, n'est-ce pas, du gaz de schiste qui vont acheter, lui qui parlait de, n'est-ce pas, de biodiversité, n'est-ce pas, d'un contrat mondial et tout ça. Je crois que ces gens sont, soit ils sont à la traîne des États-Unis, c'est-à-dire que finalement, je n'ai pas envie d'utiliser des mots méchants, mais à la fin, ce sont des laquais, je veux dire, les caniches des Américains, parce que la réalité ukrainienne, il faut la savoir. C'est-à-dire que l'Ukraine, c'est une partie du monde, n'est-ce pas, où les Américains ont des biolabs. Les preuves sont là, les Russes ont présenté ces preuves-là, où justement, il y a effectivement des nazis. Et ce qui est paradoxal et amusant, c'est que le président ukrainien est pourtant juif, mais il sait que pour gouverner, il est obligé, n'est-ce pas, de gouverner avec ces gens-là qui sont dans la garde nationale, les gens du régiment Azov, le secteur droit, tous ces gens-là, après le coup d'État, on les a intégrés. Et donc, je suis souvent déçu d'entendre certains élus français nous dire dans les médias que, mais oui, c'est une minorité, vous savez, c'est une minorité, ces gens, ces fachos dont on parle, ces néo-nazis, alors que c'est une réalité, ils sont majoritaires, il faut le savoir. On vous parle de Mariupol, ils crient Mariupol, les qui sont en Mariupol, les qui aujourd'hui sont en train de vouloir fuir Mariupol, ce sont des agents allemands, des agents français, des agents américains qui entraînent justement les Ukrainiens. Ça veut dire que ces gens-là, ils vous parlent de résistance ukrainienne. Je parle de Macron qui parle de résistance ukrainienne et tout ça. On a vu le Premier ministre britannique se rendre sur place, il a félicité l'armée ukrainienne, mais non, ce n'est pas l'armée ukrainienne. Il faut savoir quelque chose, c'est-à-dire que la Russie lutte en Ukraine contre l'OTAN. Il faut le savoir, il faut le dire. C'est une réalité. C'est eux qui envoient les armes. Pourquoi ? Donc, juger cette affaire-là, comme ça, avec Macron, forcément, vous dites qu'il y a un problème. Ce sont des caniches américains, parce que l'Amérique a des intérêts très profonds en Ukraine. Le fils Biden, justement, parce qu'il s'agit d'une affaire Biden, hein. C'est-à-dire, c'est pas vraiment l'Amérique. Le fils Biden, c'est un Hunter Biden, s'est enrichi en Ukraine. C'est-à-dire que quand on fait le coup d'État 2014, il a un grand poste dans la société de gaz ukrainienne où il gagne 50 000 dollars par mois, alors qu'il n'avait ni compétence pour avoir ce poste-là. Donc il s'est enrichi comme ça depuis 2014. Il faut savoir. Mais dans les médias français, vous ne pouvez pas le dire. Et d'ailleurs, si vous le dites, on vous bannit le lendemain. C'est-à-dire que c'est de ça qu'il s'agit. Donc il y a cette dictature médiatique-là où on exclut ceux qui disent, enfin, leur vérité, ou si vous voulez, la vérité. Donc, je crois qu'il y a un véritable problème. Et pour moi, rien ne changera. Rien ne changera tant que la France est dans l'OTAN. Rien ne changera. Tant que l'Allemagne est dans l'OTAN, rien ne changera. Et c'est ainsi, il faut le savoir. Au nom de quoi les Européens croient que les Américains peuvent les sauver ? Parce que ceux qui disent aujourd'hui que l'armée russe est faible, je veux dire aux gens, parce que je suis l'actualité ukrainienne depuis 2014, après le coup d'État, et je peux vous dire que ceux qui disent que l'armée russe est faible ont la mémoire très courte. Sachez que si Bachar al-Assad est encore au pouvoir aujourd'hui, c'est simplement parce que les Russes sont allés en Syrie. Et les qui lutter contre le gouvernement Assad, ce sont les États-Unis, l'Angleterre, la France. Donc cette armée russe-là, qu'on dit faible, qui n'a mis que 10% de ses forces actuellement en Ukraine, et donc attendez le pire demain. Ces gens-là, ils ont été battus à plate couture par les Russes en Syrie. Mais vous ne pouvez pas dire ça dans les médias français, notamment, parce que c'est une réalité. Donc je crois que rien ne changera. Ce sera la même chose. Macron ne fera absolument rien d'exceptionnel. Il restera dans la même dynamique, c'est-à-dire à la traîne des Américains. Quand les Américains diront que voilà, nous devons faire ceci ou cela, nous devons faire ceci contre la Russie, etc., ce sera ainsi. Donc je crois que finalement, c'est une élection pour rien, parce que rien ne changera. Sur ce plan-là, je suis d'accord avec M. Baron.
Mais bon, je ne veux pas être dans l'excès en disant que les autres sont des fachos, les autres sont ceci ou cela. Mais le problème, c'est que je considère qu'ils ne sont pas fachos, notamment Macron, simplement parce qu'aujourd'hui, je dis que ce sont des caniches. Un caniche ne peut pas être facho parce que il n'y a pas de détermination. La France n'existe pas en réalité. La France, ce sont les États-Unis qui dictent la politique française. Il faut le savoir. C'est une réalité. Donc, à partir de là, je crois qu'il faut comprendre que ces gens-là sont simplement des laquais des Américains et rien ne pourra changer. Moi, c'est tout ce que je peux dire par rapport à ce qui se passera dans les 5 ans à venir, hein, bien évidemment, en France. À vous, Alain Jules Meynier. Eh bien, Gamal Abina, on vous retrouve donc pour continuer de parler de cette probable victoire, probable future victoire en tout cas, d'Emmanuel Macron lors du second tour. Eh bien, Gamal Abina, on a encore en mémoire, il y a quelques mois de cela, lors de l'expulsion de l'ambassadeur de France du Mali, la quasi-totalité de la classe politique française s'en était offusquée. Les réactions sont venues de la gauche, de la droite, du centre, de l'extrême gauche et également de l'extrême droite. Est-ce que cela vous conforte dans la pensée qui est celle des panafricanistes aujourd'hui, que peu importe le président qui viendra à la tête de l'État français, la politique de prédation française envers le continent africain continuera? Ouvrez votre micro, Gamal. Vous ne m'entendez pas, là? Ah, on vous reçoit. Vous m'entendez ou pas? On vous reçoit. C'est bon? Très bien. Donc, je vais clarifier les termes du débat parce qu'il y a beaucoup de mélanges de genres assez particuliers et qui ne servent pas la cause des panafricains. D'abord, je disais tout à l'heure que Macron n'était pas raciste. Je maintiens mon propos. Il n'y a pas besoin d'être raciste pour être impérialiste. Macron est un impérialiste, il n'y a aucun problème. Comme Obama, qui va penser qu'il est raciste anti-noir? Il est lui-même noir. Ça n'a pas empêché d'être un immense impérialiste et de bombarder régulièrement l'Irak, l'Afghanistan, le Pakistan. La question du racisme ne s'inscrit pas nécessairement dans l'impérialisme. Le racisme d'origine, effectivement impérialiste, a conduit à la traite négrière et à la colonisation. C'est vrai. Mais après, ce référent raciste, pas pour tous les politiques, a pu être distancié, comme Chirac, par exemple, qu'on appelle africain un temps. Et pourtant, il a eu des propos. Donc, l'impérialisme auquel vous faites référence ne changera pas parce que ça rentre dans la génétique française. Quand un homme politique français, sauf si c'est un révolutionnaire, mais il n'y en a pas, prend les commandes de l'État, il sait qu'il a autour de lui tout un tas de dispositifs qui lui garantissent ou qui l'obligent à être impérialiste. Seul Chirac refusait, par exemple, de faire les assassinats commandés. Ça n'a pas empêché Sarkozy, par exemple. C'est pareil, j'aime la précision d'avoir des propos extrêmement racistes lorsqu'il a fait son premier discours écrit par j'ai plus son nom, son ancien rédacteur. Les propos étaient éminemment racistes quand il disait que les Africains, ils ne sont pas rentrés dans l'histoire, c'est plus vicieux que ça, ne sont pas assez entrés dans l'histoire. Donc il en laisse une petite porte, mais c'est pas suffisant, faut faire un effort. C'est toujours le même rapport détestable du maître blanc face à l'esclave. Ensuite, quand j'entends que je suis de gauche, j'ai expliqué tout à l'heure, j'ai voté Chirac en mon âme et conscience, et que j'ai combattu Mitterrand avant que monsieur, par exemple, peut-être ne soit engagé en politique. Je suis plus vieux que lui, ça se voit peut-être pas. Et donc, on me sert à gauche pour me disqualifier en disant, le racisme ne sert rien en France, puisque ce qu'on appelle l'extrême droite, son problème, c'est pas le racisme. Ensuite, j'entends des caricatures, j'entends que les Français ne sont pas racistes. Mais qui dit que les Français sont racistes? C'est stupide de dire une chose pareille. C'est caractéristique de quelqu'un qui voudrait essentialiser un peuple. Non, il y a des racistes en France, mais pour l'essentiel, il y a des partis politiques qui, eux, surfent sur le racisme et poussent certains Français à la radicalisation. Ça ne prend pas, c'est de la colère souvent et de la rupture. Mais il y a effectivement des Français qui sont racistes. Il y a bien un système racialisant qui empêche, par exemple, l'accès au crédit, l'accès au logement. Ça existe, ça. Les décideurs peuvent être racistes. Mais ça ne veut pas dire que les Français sont racistes. C'est complètement stupide de le dire et je suis le premier à le dire. Je n'accepterai jamais d'entendre une bêtise pareille. Donc il faut toujours avoir un petit peu de mesure dans le propos. Ensuite, j'entends on a parlé wokisme, ça c'est encore un concept américain qu'on voudrait nous mettre sur le dos. Pourquoi? Pour disqualifier les gens comme nous qui subissons le racisme. Et quand on dit, par exemple, que l'extrême droite qui arrive au pouvoir ne sera pas un problème, elle est impérialiste. Et quand on est impérialiste d'extrême droite, on est raciste et impérialiste. Donc on combine le racisme scientifique du 19e siècle qui a existé il y a longtemps. Et quand on connaît un peu l'histoire, par exemple, on confond l'Europe et le nazisme. Les nazis voulaient une domination germanique et aryenne sur l'Europe. Ils ne voulaient pas une Europe unie. Ils voulaient une Europe soumise. C'est pas pareil. Ça fait une petite différence. L'Europe d'aujourd'hui,
dans toute son imperfection et elle est largement condamnable, je suis le premier à la condamner, il y a une chose qui est certaine, elle a empêché qu'il y ait une nouvelle guerre entre la France et l'Angleterre. Parce que, entre la France et l'Allemagne, excusez-moi. Il y a eu 4 guerres entre la France et l'Allemagne, une victoire napoléonienne qui a fini sur une défaite à la fin, 3 défaites consécutives. 1800, ouais, c'est un peu d'histoire, ça va être difficile pour vous, mais je vous la donne. 1870 pour commencer, première défaite. 1914, seconde. Nucléaire, la dissuasion nucléaire, excusez-moi, êtes, ça monsieur, pas dans monsieur, votre analyse. Monsieur, apprenez un petit peu la discipline. Non, mais c'est vrai, la dissuasion nucléaire n'a pas compté. Apprenez la discipline, s'il vous plaît. C'est vrai, c'est l'Union européenne. Apprenez la discipline, ça ne fera pas de mal. Donc, je continue. 1870, parce que j'entends tout à l'heure des choses hallucinantes, je vous ai pas coupé. Apprenez ça, s'il vous plaît. Donc, 1870, une guerre perdue. 1914, une guerre perdue. 1940, une guerre perdue. À chaque fois perdue face à l'Allemagne surpuissante, qui va être écrasée par le monde anglo-saxon. Ensuite, ce qu'on appelle la communauté internationale, ça n'est pas l'Europe, ça c'est encore des bêtises. La communauté internationale, c'est la France, l'Angleterre, les États-Unis. Ce sont les 3 pays dominants et encore impérialistes, ultra dominants, parce qu'ils ont un empire colonial ou néocolonial. Le Portugal et l'Espagne ayant perdu leur empire face à l'Amérique et la France et l'Angleterre. Donc il faut toujours mettre les termes du débat et être un peu sérieux. La dissuasion nucléaire que De Gaulle a voulu parce qu'il voulait redonner ses lettres de noblesse à un pays qui était humilié et affaibli était un moyen de dissuasion qui ne fait pas gagner les guerres. On le voit bien, la France n'a gagné aucune guerre depuis Napoléon, clairement. Elle a perdu en Vietnam, la dissuasion nucléaire ne servait à rien. Elle a perdu en Algérie, ça ne servait à rien. La France perd toutes ses guerres, même la Syrie, quand elle est impliquée, elle a perdu. Parce que ce n'est pas la dissuasion nucléaire qui fait le combat. Ce qui fait la victoire dans un pays, c'est la détermination des hommes qui se battent pour une cause juste. Or, le Français qu'on envoie mourir en Afghanistan, par exemple, ou qu'on envoie mourir en Irak, ce n'est pas une cause juste. Ça le dégoûte. Je parle du Français, le vrai Français. Je ne parle pas des élites. Et celui-ci n'a pas envie de faire cette guerre. Le Français qu'on envoie mourir au Mali, dans une terre qui n'est pas la sienne, pour les intérêts qui ne sont pas les siens, ça le dégoûte. Mais ça s'appelle l'impérialisme. Et si vous comprenez la subtilité entre l'impérialisme, dont le premier Obama noir, le premier président noir, marié avec une noire, a usé et abusé pendant toute sa mandature, ses 2 mandatures, on comprend ce qu'est la bête immonde. J'ai eu l'occasion de dîner un soir avec un homme formidable qui s'appelle Jacques Vergès, et il expliquait que l'impérialisme actuellement est en train de vivre ses dingues soubresauts, et c'est pour ça qu'il est violent. Mais l'impérialisme, c'est un concept qui est très particulier, qui se combine au départ avec le racisme occidental quand l'Occident sort de ses frontières, pour coloniser, écraser et réduire l'esclavage. Mais ce n'est pas seulement ça, l'impérialisme. C'est aussi une idéologie qui va plus loin que ça. C'est le sentiment qu'il y a des peuples supérieurs, des peuples inférieurs, c'est vrai, que la technologie nous arrose tous les droits, parce qu'on croit supérieur, et qu'aujourd'hui, l'impérialisme a peur de la grosse puissance qui est en train d'arriver, de la Chine et de la Russie, que j'appelle Ruchine. C'est cette fusion de ces 2 grandes puissances, qui sont les premières puissances mondiales actuellement, qui fait peur à l'impérialisme et qui est en train de perdre sa domination. Et donc, lorsque l'on parle de ce genre de choses, il faut être précis. Après, quand on est français, européen, blanc en France, évidemment que le racisme ne pose pas problème. Prenez ma place, envoyez des CV avec mon nom et mon visage ou celui de Alain. Et je pense que là, ce ne sera pas la même réaction. Évidemment que ça pose problème. Et évidemment que l'extrême droite française a une obsession sur l'immigration. Pas un programme d'extrême droite, pas un seul, ne s'est fait sans qu'ils parlent de façon obsessionnelle de l'immigration. Ils n'ont aucun programme politique, ils n'ont aucune capacité à régler les questions économiques parce que ce sont des lâches. Le lâche, il ne va pas parler de Wall Street. Il va parler du petit fils d'immigré, du pauvre type de banlieue qu'il n'a jamais rencontré, parce qu'il ne va pas parler des gens qui leur font du mal. Aujourd'hui, la France, elle va pas, comme c'était l'a dit en 1998, c'est parce qu'il y a des crises systémiques, économiques par le capitalisme américain qui détruisent les économies mondiales. Crise de 88, le fameux jeudi noir, crise 98, la crise asiatique, crise 2008, le subprime, et puis après on a eu l'histoire du Covid qui est arrivé un peu par accident, on ne sait pas, mais une chose est certaine, c'est qu'on ne peut pas tout confondre. Alors moi, je vais bien tout entendre, mais aujourd'hui, cette élection présidentielle qui est commanditée, c'est organisé. Macron avait besoin pour affaiblir Le Pen et la droite d'un Zemmour. Il est conseillé par Jacques Attali. Il faut être très précis dans les propos. Jacques Attali qui conseille Mitterrand et qui lui a donné la même stratégie. Il a dit Mitterrand, qui est un homme de droite et d'extrême droite, il a dit pour affaiblir la droite de Chirac et de Giscard, il faut faire monter Le Pen. Ils ont fait monter Le Pen en mettant tapis en avant. Voilà ce qui s'est passé. Eh bien, il a fait la même chose Macron. Pour affaiblir Le Pen et la droite, il faut faire monter un Zemmour, un troublion d'extrême droite d'Algérie, un raté qui ne sait même pas que l'Algérie existait avant la France, et qui ose nous dire aujourd'hui, parce qu'il ne comprend même pas le mot Algérie. Algérie, c'est un mot arabe. Ça vient Al, A-L, ça vient de l'arabe. C'est comme alchimie, c'est comme algèbre, c'est comme tout un mot qui commence par A-L, c'est de l'arabe. Ça veut dire Al-Jazair, et Al-Jazair, c'est les îles. Donc cet imbécile ne connaît pas son histoire, mais on l'a mis en avant en faisant croire que c'était un intellectuel. Eh bien, moi, quand j'ai affaire à des gens comme ça qui sont très faibles, que ce soit Le Pen, que j'ai en face de moi, Zemmour qui a eu peur d'un débat, que j'ai eu récemment encore en débat une responsable de Macron sur les questions des banlieues, on s'est dit des choses formidables. Off.
Tout ça, c'est des réalités qui disent quoi? Ils disent que la France, effectivement, s'est surendettée après 73, malheureusement, et qu'aujourd'hui, la France dépend des subsides de ce qu'on appelle les faux prédateurs, ou les fonds de pension américains, ou la financiarisation de l'économie par Wall Street d'un côté, il faut s'intéresser un peu à l'économie pour savoir ce qui se passe, et par Wall Street d'un côté, et par la City. Eh bien, cette financiarisation à outrancière de l'économie fait que maintenant, il y a une spéculation sur les matières premières, sur ce qui nous permet de manger, la base même de la nourriture, à savoir le blé, et aujourd'hui, la crise avec ce qu'on appelle la crise ukrainienne, donc la guerre en Ukraine, qui est une guerre effectivement de réponse à une agression de néo-nazis réelle, cela, soutenue comme par hasard par l'Occident. On se demande pourquoi. Eh bien, cette guerre en Ukraine conduit à des catastrophes économiques qui sont à venir. La Tunisie et le Maroc actuellement sont en train de souffrir le martyr parce que le pain a explosé. J'ai un ami tout à l'heure qui travaille pour Anadolu, le média turc, qui est tunisien, qui vient en Tunisie, qui m'a expliqué la situation. Il faut aller sur le terrain, il faut aller en Afrique du Nord pour parler d'Afrique du Nord. Il faut aller en Afrique noire pour connaître les Africains. Il faut aller dans les quartiers populaires pour connaître l'immigration. C'est ça qu'il faut regarder. C'est pas seulement de se dire, ah ben non, le racisme c'est à côté, puisque c'est le centre du débat de tous les trois formations politiques d'extrême droite. Et aujourd'hui, s'ils arrivent au pouvoir, ils vont dire quoi? Comme Hitler a fait avec les Juifs, ils vont dire préférence nationale, identité nationale, tout ce que nous ont fait la gauche. Attends, tout ça, c'est des réalités qui ne se discutent pas. Alors vous avez effectivement un problème avec le pouvoir parce que vous étiez gilet jaune et que vous avez sans doute pris des coups. Après, j'ai regardé un petit peu votre profil parce que je ne vous connaissais pas. Maintenant, je sais à peu près qui j'ai affaire. Mais quoi qu'il en soit, quand j'ai affaire à quelqu'un qui nie les faits historiques et qui ne maîtrise pas son sujet, qui ne se connaît pas l'histoire profondément comme je la connais, je la connais un petit peu plus parce que j'ai... Pardonnez-moi, mais vous ne pouvez pas me donner de leçon en histoire. Excusez-moi. Parce que j'ai écrit un livre sur et vous non. Pas... Non, mais attendez. Je peux vous donner de leçon en histoire, mais dire que je n'ai pas de connaissance en histoire. Vous ne savez pas. Je peux vous mettre minable devant un débat. Vous êtes... On va permettre à Gamal Abinan de terminer. On va pas entrer dans le débat. Pour dire simplement, c'est qu'en matière d'histoire, moi je travaille depuis 10 ans sur le nazisme, donc je connais un petit peu mieux, mais c'est pas grave. Quand on parle de choses, il faut être précis. Si l'invective ne sert à rien, quand il y a un problème en France, c'est un problème économique avant toute chose, pas autre chose, et qu'on utilise l'immigration pour cacher ce problème de l'économie, et que les partis d'extrême droite tapent sur les immigrés parce que ce sont des lâches qui ne parlent pas de ce qui leur perd la finance, qui les finance d'ailleurs au demeurant, eh bien là, il y a un problème. Maintenant, la question que j'ai envie de me poser, c'est quoi? Qui sera meilleur que la racaille d'extrême droite en France? La gauche, j'ai toujours détesté. Dommage, je ne vais pas le tomber. Le coup du gauchiste qui se fait manipuler, ça ne marche pas avec moi. J'étais contre Mitterrand avant vous. Donc, pas la gauche. La droite, non, parce que la droite n'existe plus, elle est morte. Macron, c'est un... On n'a pas les gilets jaunes. Ils sont morts. 200 000 personnes, ça ne suffit pas. 200 000 personnes ne suffit pas à faire tomber la République. Les révolutions sont le fait d'une majorité. Les révolutions sont le fait de bourgeoisie. C'est la bourgeoisie qui fait la révolution. Non, de minorité agissante aussi, c'est jamais, la bourgeoisie, partout. Même à Cuba, c'est la bourgeoisie qui a fait la révolution. Renseignez-vous, s'il vous plaît. Léline, c'était pas un pauvre, hein, d'accord? Castro, c'était pas les fils de pauvres. C'est la bourgeoisie qui fait la révolution. Nous n'aurons que des bourgeois, nous voulons... D'ailleurs, je suis moi-même un bourgeois. Je suis moi-même un bourgeois. Je ne sais pas ce que vous dites. Je finis mon propos, s'il vous plaît. La bourgeoisie... Oui, je finis mon propos. La bourgeoisie est à l'origine des révolutions parce que, malheureusement, dans les révolutions, il faut des gens formés intellectuellement pour conduire ces révolutions et il faut les soutiens financiers. Hitler, qui a fait sa révolution, c'est comme ça qu'il l'a fait en 33, quand il arrive au pouvoir le 30 janvier 1933, on va être très précis à chaque fois, moi j'aime bien la précision. Hitler, quand il fait ça, ce qu'il appelle révolution, c'est Goebbels qui dit « on fait une contre-révolution française ». Quand il fait son premier discours à la radio. Hitler dit quoi? Il dit « je m'appuie sur le monde », il va liquider après Ernst Röhm qui se trouve trop à gauche, 34. Je m'appuie sur le monde de l'industrie et de ce qu'il appelle le capital du travail pour en finir avec la finance. Voilà ce qui se passe. Eh bien, Hitler s'appuie sur la bourgeoisie. Encore une fois, à chaque fois qu'il y a une révolution, c'est la bourgeoisie qui est en sous-jacente, comme en France. La révolution française est la conséquence de la bourgeoisie. Parce que les bourgeois voulaient la peau des aristos. Mais ça, c'est des choses qui sont très longues à expliquer. Je ne peux pas rester trop longtemps parce que le format est trop court. Quoi qu'il en soit, on ne peut pas réduire le caractère raciste des partis au motif qu'ils seraient tous racistes. C'est trop simple et trop facile. Il y a des réalités. Moi, j'ai été menacé de mort. J'ai pas été bousculé à moi, à toi, droite, à gauche. Je me suis frappé avec des types de l'équipe de Soral ou de Le Pen. Ils ont assassiné des Algériens à Paris, je le rappelle. Et plus d'une fois. Donc, je sais que l'extrême droite, quand elle parle, ce qui la caractérise, c'est la haine raciste. Maintenant, si elle arrive au pouvoir, comme c'est une incapable, Madame Le Pen, comme tous les autres, d'ailleurs, on voit bien son niveau, eh bien, elle se ridiculisera. Et il y a fort à parier que si elle arrive au pouvoir, elle sera obligée de composer avec une majorité qui ne sera pas la sienne. Mais quoi qu'il en coûte aujourd'hui, il y a une réalité, c'est qu'on ne peut pas réduire le risque de l'extrême droite qui conduit tout le temps à des guerres, Franco en Espagne,
Mussolini en Allemagne, en Italie, Hitler en Allemagne, ça conduit systématiquement des guerres extrême droite. C'est tout juste, là, on a un dingo qui s'appelle, qui est au Brésil, Lula, c'est qui l'a succédé, je sais plus son nom, celui-là déjà, Bolsonaro, qui est au pouvoir. Ces gens-là sont des gens dangereux. Bolsonaro, ce qu'il fait actuellement, c'est une guerre il fait une guerre à la forêt, voilà. C'est un imbécile, il détruit sa forêt. Voilà, un mec intelligent. Donc c'est pour dire qu'il faut faire très attention. Ce ne sont pas des interlocuteurs. Et moi, je suis désolé de dire que si la fille de Marine Le Pen, qui a été élevée par un homme qui était raciste, haineux et impérialiste, arrive au pouvoir, elle fera de l'impérialisme de façon encore plus virulente que Macron le fait. Et pour finir mon propos, c'est mon dernier propos, parce que j'ai parlé un peu longtemps, Macron n'est pas raciste, je le maintiens. C'est un fait. Il a une raciste. Il est impérialiste, il n'y a pas de problème, et sa politique est détestable sur la question africaine. Pas de problème. Macron n'a pas été mauvais sur la question russe, il s'est calmé, il n'a pas joué le fou. Il n'a pas commencé à insulter Poutine, comme l'a fait, par exemple, le pseudo-président polonais. Mais il n'en demeure pas moins que Macron n'est pas c'est pas mon apanacée. Moi, je n'aime pas Macron parce que c'est un produit du PS, donc ça commence mal déjà. Mais quoi qu'il en soit aujourd'hui, malheureusement, c'est lui qui va être aux commandes, c'est lui qui va diriger les affaires de l'État, et c'est lui qui dirigera l'influence néfaste, j'ai bien dit néfaste, de la France-Afrique en Afrique. L'Afrique doit être livrée aux Africains, elle doit se libérer de cette influence, et les Africains doivent se prendre en main. On n'a pas besoin de la France pour s'en sortir. On a des partenaires qui sont très solides, la Chine, même la Russie, j'ai envie de dire même la Turquie, n'importe quel partenaire, pas la France, parce que la France est une ancienne puissance coloniale. Il y aura toujours un rapport de défiance, il y aura toujours un rapport de mépris, de condescendance. C'est ça le problème qui se pose. Donc aujourd'hui, la France, comme l'Angleterre demeurant, doit foutre le camp d'Afrique. C'est tout. Merci à vous, Gamal Abinah. Eh bien, chers messieurs, je crois qu'ensemble, on a fait le tour de cette question, étant donné que nous sommes pratiquement arrivés au terme de cette émission. On va quand même permettre à chacun d'entre vous de dire un mot en ce qui concerne cette probable future victoire d'Emmanuel Macron lors du second tour, ses relations avec le continent africain. Eh bien, patient parfendum, Emmanuel Macron, élu président de la République française au second tour, est-ce que les Africains doivent craindre pour leur peau quand on sait déjà ce que Emmanuel Macron et son gouvernement ont fomenté sur le continent africain? D'abord, je voulais savoir beaucoup de détachement. J'admire beaucoup mon frère Benyeki de l'autre côté, parce que j'ai écouté tout à l'heure, ces joutes là intra-française, et nous on voit ça vraiment avec beaucoup de détachement. Tout à l'heure, notre ami disait Macron n'est pas raciste. Je veux revenir là-dessus pour lui montrer que, effectivement, par rapport aux Africains, Macron était raciste. Mais venons-en. La question de le discours de Sarkozy, n'est-ce pas, Nicolas Sarkozy, à l'université Cheikh Anta Diop à Dakar. Oui, il n'a pas dit que l'Africain n'est pas entré dans l'histoire. Mais pas assez. Alors là, c'est encore plus grave. Dire que les Africains ne sont pas assez entrés dans l'histoire, c'est encore plus grave. C'est ce que disait Gamal Abinah. Ah, attention, là, c'est encore plus grave. Bon, dans la vitesse souvent de peut-être que j'ai omis. Merci, donc, cher ami. Alors, c'est encore plus grave. Alors, ça veut dire que c'est un discours authentiquement raciste. Bon, nous, par rapport à l'histoire, nous sommes assez bien avisés, cher ami. Tout ce que tu as essayé de développer, et effectivement, nous le comprenons. Alors, la question de l'impérialisme. Oui, ce sont des impérialistes, mais ce ne sont pas des racistes. Mais le fond idéologique de l'impérialisme, c'est le racisme. Ça veut dire que nous sommes des êtres supérieurs, nous sommes des êtres qui sont au-dessus des autres. C'est pour cela que nous pouvons les vendre comme des chèvres pendant 5 siècles. C'est du racisme. C'est ça l'impérialisme. Le fond, n'est-ce pas, cette phase-là de l'évolution du capitalisme, qui a été l'impérialisme, il se base sur des fondements authentiquement racistes. Hitler, ben, lui aussi, il avait une politique impérialiste sur le monde. Mais le fondement, c'est quoi? C'est que nous sommes une race qui est supérieure aux autres races du monde. À partir de ce moment, c'est nous qui devons diriger le monde, c'est nous qui devons être les dirigeants de cette planète. Et voilà le fondement. L'histoire de dire parce qu'il y a des difficultés d'ordre économique et que là-bas en France, peut-être, on crée comme autant de Chirac que le plombier polonais, mais ça fait partie des difficultés justement qui sont instaurées par ce système impérialiste, capitaliste très dangereux, qui ne donne pas la possibilité justement à l'expression libre des travailleurs, des êtres, des citoyens qui sont dans un espace, de pouvoir justement faire de l'expression de leur souveraineté la chose la mieux partagée.
Quel est ce système dans lequel vous vivez et dont les Macron sont des capitaines et des détenants? Des porte-étendards. Des porte-étendards, merci. Dans lequel la fracture entre la majorité qui contrôle sa province et les happy few qui contrôlent de sa Russie prend des proportions complètement aujourd'hui incontrôlables. C'est quel est ce système? Ce système, justement, se base sur un fondement qu'il y a des êtres qui seraient largement au-dessus des autres, peut-être qu'ils n'auraient même pas le même ADN que les êtres de l'humanité, et qui auraient été choisis pour diriger le monde. C'est de ça qu'il s'agit. Sinon, comment on peut nous expliquer que des gens peuvent se battre, ils peuvent se donner corps et âme pour faire valoriser un pareil système dans le monde? Et M. Macron, je suis désolé de le dire, il est l'un des capitaines de ce mode de pensée qui continue de détruire complètement notre monde. Et son rapport vis-à-vis de l'Afrique, nous parlons à Londres, n'est-ce pas, de notre réalité africaine, c'est encore plus cruel, c'est encore plus violent. Alors, quand un monsieur comme celui-là se déplace pour aller au Niger, le Niger qui donne l'essentiel de ce qui fait le carburant qui permet, alors je parle de l'uranium, à la France de pouvoir s'éclairer 24 heures sur 24, être capable de créer de nouvelles centrales nucléaires, les EPR, avec des fournitures, n'est-ce pas, en termes de cet uranium sur la base même de 10 ans clé en main, et qui se rend au Niger, qui sait pertinemment que c'est la France qui fixe le taux d'achat de cet uranium au Niger, et dit aux Nigériens, le problème c'est vous, même si on vous donne toute l'aide du monde, c'est que vos femmes font trop d'enfants. Vous avez un ratio pratiquement de sept enfants par femme. Mais c'est quoi ça? C'est du racisme, cher monsieur. C'est du racisme. Il faut être dans cette disposition d'esprit d'un être supérieur pour parler avec autant de condescendance aux gens à qui vous avez tout dépouillé. Vous avez imposé les directions politiques qui sont vos obliges. Vous avez complètement rendu même caricatural ce qu'on appelle l'expression démocratique dans ces états-là. Vous avez instauré des conditions d'inégalité sur le plan des échanges économiques. Vous avez complètement bousillé complètement la capacité de ce pays à pouvoir se propulser pour assurer la sécurité de leur espace. Et vous venez encore faire la morale à des gens qui sont dans cette situation-là. Ce n'est que du racisme, je suis désolé. Donc, l'impérialisme, certes, s'est donné, mais les fondements qui justifient justement l'impérialisme, c'est le racisme. Je vous ai parlé de la traite des Noirs. On parle de 4 siècles, moi je vous dis c'est 5 siècles, chacun peut le démontrer tout à l'heure. Un siècle de colonisation où vous avez des individus, je prends par exemple le cas de Léopold II, qui a décidé qu'un vaste pays comme le Congo est sa propriété privée. Et on sait comment Léopold II a traité les Congolais. Les bras coupés parce que le tonnage en caoutchouc n'était pas fourni, des oreilles coupées, des hommes qui étaient castrés, etc. etc. C'est quoi ça? C'est du racisme, je suis désolé. Parce que si vous avez du respect pour votre vis-à-vis, vous ne pouvez pas lui appliquer de telles méthodes, de telles violences, de telles barbaries et de telles sauvageries. Il faut que vous donnez, avoir l'impression que c'est peut-être, un singe ou bien un cynocéphale pour qu'on soit à même de le traiter pareillement. Donc pour nous les Africains, les débats internes là-bas, nous, vraiment, on voit ça de très loin. Parce que nous avons vu tous les différents chefs d'État défiler au niveau de la France. Mais dans leurs actes au quotidien, ils n'ont eu que de mépris pour nous. Prenons le cas de la Centrafrique, qui aujourd'hui fait l'objet, n'est-ce pas, de toutes les railleries de la carte politique dite sensible et sensible au niveau de la France. C'est encore la Centrafrique. Tous les chefs d'État imposés par Paris, les Bokassa, les David Dacko, mais tout ce, ils ont fait de la Centrafrique un état de non-droit, complètement. Maintenant qu'arrive quelqu'un en Centrafrique qui dit, mais quand même, c'est pas possible. Nous sommes en plein 21e siècle, il faut faire quelque chose pour que, enfin, nous puissions assurer la sécurité des hommes et des biens, mais surtout, un calme relatif pour permettre à notre peuple de pouvoir, lui aussi, essayer de sortir la tête de l'eau. On crée tous les problèmes à ce chef d'État. Là encore, c'est du racisme. Et la France donne des injonctions. Non, vous êtes entiché avec des mercenaires de Wagner. Alors qu'en Ukraine, on voit très bien ce qui se passe. On voit très bien ce qui se passe. On va au conseil secteur de l'ONU, on dit qu'il faut qu'il y ait un embargo contre des armes pour cet État-là. Alors qu'on envoie des armes aux néo-nazis
au niveau de l'Ukraine. Donc, cette politique de deux poids, deux mesures a amené les Africains à bien comprendre que nous sommes dans une réalité qui n'a rien à voir avec ce que vous vivez là-bas. Mais, chers messieurs, c'est chez nous, on n'a pas des gens qui sont au chômage, qui ont des allocations, n'est-ce pas, qui les permettent de vivre. Nous vivons au jour le jour. Parce que cette France-là a décidé que, ici chez nous, il n'y a pas de vie pour les êtres humains que nous sommes, parce que nous sommes des sous-hommes. Alors, à partir de ce moment-là, que ce soit une politique dite capitaliste, impérialiste, tout ce que vous voulez, elle a un fondement idéologique qui est le racisme. Si sans ce fondement-là, on peut l'accepter. Hitler, si les Européens se sont retournés contre Hitler, c'est parce que, justement, c'est que cette Europe bien pensante a fait subir aux Africains pendant des siècles, Hitler a tenté de le faire à la race blanche. C'est ça qu'il s'agit. C'est de ça qu'il s'agit. Malheureusement, je continue de dire ici, ce n'est pas Hitler qui a inventé cette idéologie. Il a trouvé que l'Europe baignait déjà dans cette idéologie-là. On peut le démontrer. Même la conférence de Berlin, qui divise l'Afrique, c'est un fondement raciste. Si vous ne l'acceptez pas, ça veut dire que vous ne voulez pas... Vous mettez les œillères pour ne pas voir la réalité des relations, n'est-ce pas, vraiment violentes, qui ont opposé l'Afrique avec les décideurs européens depuis très longtemps. Je peux les démontrer sans avoir le temps. C'est, le fondement, il est d'abord raciste. Pour dire ces gens-là, nous pouvons disposer à notre bon vouloir parce qu'en réalité, ils sont beaucoup plus proches des bêtes sauvages que des êtres humains. Donc, ils sont corvéables à soi et nous devons les utiliser comme des âmes pour notre propre bonheur et notre propre prospérité. Je comprends qu'il y ait des divergences de classe sociale au niveau de la France. Je comprends l'histoire de l'évolution, n'est-ce pas, des classes dirigeantes au niveau de la France. Que ce sont les notabilités, on est passé par les seigneurs, et après les bourgeoisies, et après justement, chaque groupe social à un moment donné voulant toujours plus, et qui ont conduit à des confrontations qui ont pu aboutir à ce que les classes sociales laborieuses puissent réclamer beaucoup plus d'espace et de revenus pour eux. Ça, ce sont des dynamiques, des luttes de classes sociales qui sont expliquées depuis très longtemps, depuis les Karl Marx, etc. Mais ça, c'est autre chose. Je dis que vis-à-vis du continent africain, gauche, droite, rouge, vert, jaune, tout ce que vous voulez, faut sortir. Le fondement était le racisme. Si vous ne l'acceptez pas, ça veut dire que vous ne voulez pas comprendre les dynamiques, mais justement, qui sont en train de créer un nouveau paradigme au niveau du monde. La question de la Russie. Pourquoi les Africains, justement, ont tendance à soutenir la Russie dans cette opération militaire spéciale au niveau de l'Ukraine? Mais parce qu'on constate, ce pays n'a pas été partie prenante dans la campagne pour rendre cet esclavage qui nous a frappés. Pendant les luttes de libération de cette colonisation, la Russie a toujours été aux côtés des mouvements de libération africains. Effectivement. La Russie ne nous a pas imposé cette monnaie nazie qu'on appelle le franc CFA. La Russie n'a pas été contemple de l'élimination de tous les leaders africains authentiques. Je peux vous les citer. Qui l'a fait? C'est la classe politique occidentale. On me dit, oui, les hommes politiques français, surtout les élites, sont seulement les petits chiens qui courent derrière les Américains. Mais c'est une soumission consentante. Ils ont bien d'autres choix pour qu'on puisse avoir des relations plus équilibrées sur notre planète et avoir des relations, n'est-ce pas, de win-win au niveau de nos États. Ils ont refusé ce chemin. Ils nous ont imposé un chemin de vassalisation, d'assujettissement, d'esclavage et de ravalement au rang de la bête. C'est ce que nous refusons. Et c'est pour ça que nous disons, que ce soit Macron, que ce soit Madame Le Pen, c'est la même politique qui va continuer. Donc, pourquoi ne même pas accepter, bien espérer que Madame Le Pen arrive au pouvoir? Comme ça, on n'aura plus la libide de nous dire, attention, on vous a évité le pire parce que l'extrême droite n'est pas arrivée au pouvoir. On préfère même que l'extrême droite arrive au pouvoir. Comme ça, maintenant, justement, on n'aura plus cette excuse facile, n'est-ce pas, qui tend à dire que vraiment, il faut applaudir pour nous parce qu'on vous a évité le pire. Nous voulons ce pire-là. Parce que vous, dans la pratique, je ne parle pas de mes amis qui sont là-bas de l'autre côté, effectivement. Mais l'élite politique, n'est-ce pas, au niveau de l'Occident, ils font exactement, dans les faits, les mêmes choses que ce qu'ils reprochent à la droite de Marine Le Pen. Je suis désolé. Donc moi, je n'ai pas de complexe vis-à-vis de ce qui se passe là-bas en France. Tel a dit comme ça, tel n'aime pas les Arabes. On veut justement qu'il y ait des gens qui n'aiment pas les Arabes, qui n'aiment pas les Noirs.
Comme ça, l'explication sera plus franche. Quand les gens qui se cachent sur le manteau de progressistes, des gens quand même qui sont pour une humanité plus soft et assumée, alors que dans les faits et dans les actes, ils posent justement pour nous des expressions, des conditions qui nous ravalent au rang de la bête. Ça, nous ne pouvons plus l'accepter. Alors, sinon, si tu veux que je sorte donc par là, cher ami, c'est-à-dire que pour nous les Africains, Marine Le Pen, Macron, c'est blanc, bonnet blanc. Parce que nous savons à quelle sauce nous allons être mangés. Qui continuent de cuire leur petite soupe dans leur petit coin, c'est leur affaire à faire. Au niveau de l'Afrique aujourd'hui, nous sommes décidés à reprendre la marche en avant qui nous a été édictée par nos pères fondateurs du panafricanisme, que sont justement les Kwame Nkrumah, les Ruben Nyobel, les Lumumba, qui est le sacré saint principe qui a même été édicté au niveau de la Charte de l'ONU, qui est le droit de peuple à disposer d'eux-mêmes. Cela ne veut dire pas que nous sommes des anti-français. Cela ne veut dire pas que nous avons des problèmes avec le peuple français. D'ailleurs, beaucoup de nos prédécesseurs ont eu pour compagnons de combat des Français. Je peux parler de cas d'un parti comme le mien, du PCT, avec M. Gaston Donat, qui a été un compagnon fidèle, justement, à l'émancipation, justement, de cette volonté de naissance au niveau du Cameroun. Donc, nous n'avons pas de problème contre les Français dans le fond. Mais l'élite politique qui dirige la France, avec les alliés, ses alliés au niveau de l'Occident, ce sont des racistes qui ne veulent pas qu'il y ait une émergence d'une quelconque souveraineté sur notre continent. C'est pour cela que nous le combattons et c'est pour cela que nous estimons que Marine Le Pen ou bien M. Macron, c'est du blanc, bonnet blanc, et peut-être que ce serait une bonne chose qu'enfin le voile soit déchiré et que Marine Le Pen assume maintenant cette fonction-là pour qu'on ait pris cet alibi commode de nous dire « Ah, vous savez, grâce à nous, on a évité le pire ». Non, vraiment, ça, il faut arrêter avec cette petite escroquerie intellectuelle et politique qui consiste à dire que nous avons été ceux qui vous ont évité de rentrer au niveau de l'esclavage. Nous le sommes déjà. Nous voulons affronter notre véritable ennemi pour qu'on passe à autre chose très rapidement. Merci à vous, patient parfait d'homme. Eh bien, je vous retrouve donc, Françoise et Nicolas, pour sortir. On va permettre à Françoise, Nicolas, Sylvain Baron, Alain Jules Meunier et Gamal Abina de sortir en 2 minutes chacun de cette émission. Françoise et Nicolas, vous avez la parole. Comment entrevoyez-vous l'avenir de l'Afrique au sortir de ce deuxième tour? Ouvrez votre micro. Françoise Nicolas, ouvrez votre micro. Excusez-moi. Oui, je souhaite de tout cœur que tous les Africains, les États africains s'émancipent de la tutelle française. Voilà. Le franc CFA est effectivement un scandale. Et voilà. Je souhaite que l'Afrique s'émancipe de la tutelle française. Voilà. Merci à vous, Françoise et Nicolas. Eh bien, Sylvain Baron, on va vous retrouver également en 2 minutes. Comment entrevoyez-vous l'avenir de l'Afrique au sortir de cette élection présidentielle? Malheureusement, comme Macron sera réélu, ce sera exactement le même comportement méprisant qui sera à chaque fois affiché vis-à-vis d'Afrique. Et ne croyez pas non plus qu'il n'y a pas des sphères d'intérêt, encore une fois, qui, à tort ou à raison, en tout cas du point de vue des Africains, ne milite pas justement pour démolir tous les liens que nous pouvons avoir avec l'Afrique, parce que justement, si les peuples africains et le peuple français sont alliés diplomatiquement à l'ONU, par exemple, pour s'opposer à l'impérialisme américain, c'est très gênant. Tandis que si cette relation entre la France et l'Afrique est constamment démolie parce que nous avons d'abord des incapables au niveau du Quai d'Orsay français, et que par ailleurs nous avons d'autres chefs d'influence qui font tout pour casser ce lien, ça n'arrangera pas en fait la cause des peuples africains pour autant. Pourquoi? Parce que justement pour s'y libérer du franc CFA, pour pouvoir c'est même pas restaurer, c'est instaurer une indépendance claire, économique et géopolitique d'un certain nombre de pays africains qui sont malheureusement complètement sous curatelle de la France d'une certaine façon, parce que leurs dirigeants sont complètement asservis eux-mêmes. C'est un jeu de domino, en fait. Il faut que les Africains, quelque part, conservent et je parle de la diaspora africaine, je parle des gens qui militent, je parle des révolutionnaires,
qu'ils gardent des relations stables, apaisées et fortes avec les révolutionnaires français, parce que nous serons les seuls qui auront ce vœu de tant nous libérer nous-mêmes de l'Union européenne et de tous les axiomes géopolitiques qui nous asservissent et démolissent notre souveraineté et notre indépendance nationale que méprisent un certain nombre de personnes, mais nous avons le même vœu pour tous les peuples du monde, y compris en Afrique. Et je n'en peux plus, à titre personnel, d'entendre des dirigeants français donner des leçons au monde entier, alors que nous n'avons aucune leçon à donner, tant sur le plan de la démocratie que de l'économie, de la géopolitique. Nous faisons n'importe quoi. Donc je ne m'attends à rien de favorable, de toute façon. Que les Africains entendent que les oppositions fantoches qui leur sont présentées en France, telles que Le Pen ou telles que Monsieur Mélenchon, sont encore une fois des oppositions fantoches et détestées des Français. Ce ne sont pas des révolutionnaires, c'est la bourgeoisie aussi en France. Et ça n'est pas la bourgeoisie qui va faire la révolution en France. Je suis un révolutionnaire, je vous dis. Vous pouvez lire mon livre si vous cherchez vous-même dans votre pays à renverser votre gouvernement qui vous trahit. Je vous donne des axiomes qui sont valables autant en France que partout dans le monde. Avoir une diplomatie parallèle, ouvrir des tribunaux populaires pour juger les traîtres à la patrie, les criminels, les corrompus. Il faut les juger publiquement, puisque les instances officielles sur le plan judiciaire ne fonctionnent pas, sont inefficientes, et ça c'est pareil, c'est en France, et ça marche, mais c'est pareil partout. Malheureusement, nous ne sommes pas le seul peuple qui est soumis à tout un tas d'intérêts qui ont privatisé l'état de droit. Donc, croyez bien qu'il y a beaucoup de révolutionnaires en France, ce ne sont pas des bourgeois, les bourgeois sont déjà au pouvoir, ils n'ont pas besoin de mener une révolution, eux ce sont des contre-révolutionnaires, ils sont là pour agiter les peurs, agiter les polémiques, dénoncer les conséquences sans jamais s'intéresser à la cause des problèmes, ils sont là pour surfer sur les conséquences, qu'ils se disent de gauche ou de droite. Le problème de l'immigration, on est complètement témoin. À droite, c'est la conséquence identitaire de la culture, de tout un tas de pans comme ça. Et à gauche, c'est la conséquence en disant, regardez, là, ça fait monter l'extrême droite, l'immigration. Oui, parce qu'aucun des deux ne veut régler le problème sur le fond et sur la cause, et en ayant un regard froid, parce que l'immigration est un phénomène, on ne parle pas des individus, on parle d'un phénomène. Voilà, donc ça ne va pas changer malheureusement. Sylvain Baron, et eh bien Alain Jules Meynier, on vous retrouve également en 2 minutes pour votre mot de fin. Cher Alain, ouvrez votre micro. Oui. Quelles seront les relations ou les rapports entre qu'il y aura avec cette nouvelle législature de Macron, parce que je dis c'est Macron, bon l'élection c'est dans quelques jours, mais de Macron. Avec l'Afrique, je pense que les choses peuvent changer, mais dans le sens où les Africains pourront déjà, il y a des exemples, hein, on a vu le Mali, on a vu quel autre pays là, qui sont en train de s'en sortir, hein, sans effectivement la mainmise de la France, sans le diktat français, et donc je crois que les autres pays africains peuvent le faire, hein. Et il faut, par tous les moyens, je pense à une nouvelle génération de dirigeants pour demain, qui pourront, n'est-ce pas, éradiquer, hein, passez-moi l'expression, le franc CFA, qui est une vraie calamité, il faut le savoir. D'ailleurs, quand on n'a pas une indépendance financière, je crois qu'on ne peut pas être réellement indépendant dans tout le reste, hein, je veux dire. Donc c'est pour cela que, effectivement, j'entends dire que voilà, nous devons sortir de l'OTAN, nous devons sortir de l'Union européenne, parce que bon, il y a cette monnaie commune là, mais je crois que le franc CFA c'est pire, parce que bon, on voit très bien que vous avez ce franc là en Afrique centrale, vous ne pouvez pas le changer en Afrique de l'Ouest, c'est quand même problématique. Je crois qu'à un certain moment, il faut que les gens, n'est-ce pas, se réhabilitent, prennent conscience de leur propre capacité, de leurs valeurs, et se disent que finalement, on nous prend pour des cons. On nous prend pour des cons. On ne peut pas continuer cette utilisation-là d'une monnaie comme celle-là, qui est arrimée à l'euro. Ça veut dire quoi?
et c'est une monnaie qui passe son temps à baisser. Moi, je vois la souveraineté monétaire est telle que on sait que aujourd'hui, on voit comment le rouble est en train de remonter simplement parce que c'est une monnaie qui est russe. Et donc, je crois que les pays africains, et en plus, c'est nous qui avons de l'or, il faut que les pays africains, n'est-ce pas, essayent, comme le pauvre Kadhafi voulait le faire, le dinar or, essayent de faire leur monnaie, et il y a des ressources. Et donc, à partir de là, je crois qu'on n'aura plus le moindre problème. Et ces gens, je veux parler des dirigeants européens, ils vont nous respecter, simplement parce qu'on a notre propre monnaie. C'est pour cela qu'on respecte le Nigeria. C'est pour cela qu'on respecte l'Algérie. C'est pour cela qu'aujourd'hui, la France ne peut pas aller en Algérie dire tout et n'importe quoi. Ce n'est plus possible. Il faut le savoir. Donc, je crois que cette souveraineté monétaire, il faut la chercher. Et à partir de là, je crois que la France respectera beaucoup plus. On ne verra pas Le Drian faire des discours vraiment. D'ailleurs, il engueule tout le monde, même Poutine. Je crois quand même que pour conclure, pour chuter par là, il faut faire très attention. Quand vous voyez des gens qui deviennent aussi violents, qui s'amusent à vouloir isoler un pays nucléaire, le plus grand pays nucléaire du monde, il faut comprendre que ces gens-là ont un véritable problème. C'est de la folie. Moi, je le dis comme ça, ils ne comprennent absolument rien. Ils ne pensent qu'à leurs intérêts propres. Et cette affaire-là risque de très, très mal tourner. Pour nous, citoyens, hein, simplement, mais eux, ils se fichent complètement de nous, quoi. Voilà, c'est tout ce que je peux dire, et j'espère qu'il y aura de vrais dirigeants africains qui prendront leur responsabilité pour faire sortir l'Afrique de cette ornière-là, de ce franc CFA-là, et pour que nos économies puissent enfin monter et puis rivaliser avec les autres économies mondiales. Merci à vous, Alain-Gilles Meynier. Eh bien, Gamal Abina, je vous retrouve donc pour boucler la boucle et sortir définitivement de cette émission le 24 avril 2022 à 20h heure de Malabo. Le monde entier saura qui est le prochain président de la République française d'après vous. Quel impact peut avoir l'élection de ce dernier avec dans les relations entre Paris et le continent africain pour sortir? Bien, j'ai envie de dire une chose, c'est que je pense que quand on est impérialiste, et la France est un pays impérialiste, il est difficile pour les dirigeants français de sortir de l'Afrique parce qu'ils ont besoin de l'Afrique, ils en ont besoin de façon vitale. L'histoire de l'uranium est un des éléments, mais il n'y a pas que ça, il y a beaucoup d'autres choses. Ils ont besoin de prestige, ils ont besoin de se donner l'impression qu'ils sont encore l'empire napoléonien, ce qu'ils ne sont plus depuis très longtemps. Et donc, que ce soit Le Pen, fille d'un impérialiste renommé, connu, hein, ou que ce soit Macron, qui n'est pas descendant d'impérialisme, mais qui tout de même conduit une politique impériale en Afrique, bien qu'il cherche à se désengager pour des raisons bassement financières, ça lui coûte plus cher que ça lui rapporte aujourd'hui, je pense qu'on aura peut-être la surprise, j'espère, maintenant je fais un pronostic qui n'est peut-être pas certain, que Macron commence à reculer parce que les Russes avancent, et que Macron, qui est un pragmatique, ne prendra pas le risque de rester sur des positions offensives en Afrique. Je pense qu'il va négocier. Je pense effectivement que la question du franc CFA est la vraie problématique qui se pose, et qu'aucun des candidats pour l'instant, sauf, évidemment, il y en a un qui en a parlé plus ou moins, c'était Mélenchon, il faut lui reconnaître cette qualité, mais sinon aucun des candidats n'est d'accord pour en finir avec le franc CFA. Et là où je rejoins notre ami Alain, c'est que le franc CFA, c'est ce qu'on appelle un principe de souveraineté. Par exemple, les Russes, avec leur monnaie qui valait plus grand-chose, ont réapprécié la monnaie parce que Poutine a fait un coup de maître. Il a demandé aux Européens d'acheter sa monnaie, de lui donner une valeur marchande qu'elle n'avait pas avant. Donc le russe est apprécié grâce à ça. Les mécanismes monétaires sont très compliqués. L'Algérie n'a pas une monnaie quasiment de singe parce que malheureusement, elle n'est pas défendue par l'État suffisamment et qu'ils n'ont pas adossé la monnaie au pétrole. C'est le gros problème, ce que les Américains ont très bien fait. Mais je pense, au demeurant, que si l'Afrique veut se libérer réellement, il faut vraiment qu'elle en finisse avec ces deux empires coloniaux que sont la France et l'Angleterre, et il faut qu'elle récupère une souveraineté monétaire, c'est essentiel. Moi, j'ai parlé souvent de l'Africa plutôt que du franc. C'est pas, il y a un problème. Une monnaie qui s'appelle le franc en Afrique, il faut se poser des questions. Et surtout, l'autre question qui est importante, c'est de se réapproprier sa propre culture. Les Africains parlent tous quasiment français, portugais, espagnol, anglais, parce qu'ils n'ont pas récupéré leur propre langue, même s'il faut en prendre deux ou trois, c'est pas un problème, au niveau national. C'est une question de souveraineté qui existe en Asie. Les Asiatiques ne parlent pas le français ou l'anglais parce qu'ils ont leur propre culture et langue et l'ont cultivée. Eh bien, l'Afrique doit cultiver sa culture et sa langue, doit cultiver la valeur de sa monnaie, doit faire en sorte de s'imposer par d'abord la défense sécuritaire, donc c'est d'abord les armées, puis ensuite et surtout par une économie qui soit saine.
et Macron et évidemment qui travaille pour sa paroisse ou Le Pen qui travaille pour le prestige de la France n'ont aucun intérêt à ce que ça arrive. Ils se retrouveraient immédiatement avec des concurrents et la concurrence est très mal vue. Et puis pour finir définitivement le propos sur la question de l'impérialisme qui est le mal qui a dirigé l'Occident depuis qu'il est sorti de ses frontières avec les conquêtes espagnoles quand ils ont fait la fameuse controverse de Valladolid qui consacrait l'idée que les Indiens n'étaient peut-être pas des êtres humains, eh bien cette fameuse controverse a donné la naissance de l'impérialisme raciste. C'est vrai qu'il est raciste au départ. Mais aujourd'hui, il n'y a pas besoin d'être raciste pour être impérialiste. C'est ce que je dis depuis le début. Tous les impérialistes ont été des racistes. On a entendu le discours des peuples civilisés qui étaient inférieurs, toutes ces bêtises-là. Mais aujourd'hui, il y a des dirigeants comme Obama ou Macron qui ne sont pas nécessairement racistes, mais qui pratiquent la même politique impérialiste parce que ce qui les intéresse in fine, c'est l'argent des pays dans lesquels ils sont venus piller. Et je pense que pour que l'Afrique aille mieux, il faut qu'elle coupe ce cordon ombilical avec la France, je parle du cordon du franc CFA, et qu'elle commence enfin, alors l'Afrique, elle a plusieurs, il n'y a pas une Afrique évidemment, qu'elle commence enfin à travailler avec les États qui la constituent. L'Afrique, c'est 54 pays les plus riches au monde. Il n'y a aucune raison qu'ils continuent à devoir subir cette dégradation des termes de l'échange au niveau économique, ce désavantage qu'ils ont concurrentiel par rapport à l'Europe, alors qu'ils pourraient faire ce travail entre eux. Il y a des pays africains qui le montrent très bien. On est en mesure de créer des économies saines, mais il faut pour cela s'affranchir de la tutelle, de ce qu'on appelle l'ex-tutelle coloniale française. Voilà, et je pense que Macron reculera là-dessus, tout simplement. Merci à vous, Gamal Abina. En tout cas, on espère que Macron reculera pour reprendre vos propos. Eh bien, on va donc revenir en tout cas sur le plateau en une minute, montre en main, pour permettre à Patient Parfait de sortir rapidement. Merci. Je pense que nos amis ont fait un très bon débat. Bon, il y avait des petites choses qu'on peut rectifier, ça et là. Les Africains ne sont plus dupes. Les Africains sont mûrs, matures. Ils comprennent ce qui est important pour eux, pour leur devenir, et pour cela, ils vont continuer à se battre sur toute cette jeunesse qui a repris le flambeau, n'est-ce pas, des pères fondateurs du panafricanisme, qui est avant tout un humanisme. Alors, la question de Nelly, par exemple, d'Obama, nous connaissons justement l'histoire américaine avec les deux concepts, le nègre de maison et nègre de champ. N'oubliez pas que les nègres de maison étaient plus violents vis-à-vis de leurs frères, n'est-ce pas, que souvent même c'était blanc. Donc, pour nous, ce n'est pas parce que quelqu'un est de maison que cela occupe le caractère raciste, n'est-ce pas, du fondement de toute cette organisation sociale qui a conduit à l'animalisation, n'est-ce pas, des êtres humains qui étaient ces noirs-là. Donc, que ce soit Macron, que ce soit Obama, ce sont les gens qui sont au service de cet impérialisme qui est le néolibéralisme victorieux et tout ce que vous voulez, mais qui est en réalité, qui a pour fondement de base ce racisme-là qui dénie, n'est-ce pas, aux autres peuples du monde, mais surtout aux autres classes sociales du monde, la capacité eux aussi de pouvoir exister en tant que espèce humaine devant jouir, n'est-ce pas, de toutes les prérogatives que nous a dotées, si vous voulez dire, ou bien l'espace dans lequel nous vivons. Donc, nous, au niveau de l'Afrique, je continue de dire, j'insiste là-dessus, parce que souvent, les gens font trop mal d'amalgame, nous n'avons rien contre le peuple du monde. Mais nous n'acceptons plus que ce peuple du monde, après avoir mangé dans notre main, essaye de bouffer notre main avec. Ça, c'est nous ne pouvons plus du tout l'accepter. Nous sommes pour des relations fraternelles avec tous les peuples du monde, noirs, jaunes, asiatiques, européens, américains, tout ce que vous voulez, mais à condition qu'on redéfinisse les relations qui doivent justement essayer d'être la chose la mieux partagée dans cette planète dans laquelle nous sommes. Et pour cela, tous les baratins et tous les messages et autres discours soporifiques qu'on a de cesse de nous présenter en les présentant comme des avancées, ce qu'ils appellent aujourd'hui du progrès, nous serons en capacité, avec des grilles d'analyse que nous avons, de mieux disséquer ce qui est juste et ce qui est faux. Mais la plupart des élites politiques, justement, comme c'est le cas au niveau de la France, ils sont dans une fourberie intellectuelle sans commune mesure. La question de la domination culturelle de l'Afrique, elle aussi, elle participe d'un certain racisme. Mais vous oubliez qu'on a même interdit aux Africains de pouvoir parler leur propre langue. Mais aujourd'hui, nous sommes victimes d'un génocide culturel qui ne dit pas son nom. Ce n'est pas volontairement que les Africains parlent français, anglais, espagnol ou je ne sais pas comment. Ils le font parce que, lors de cette fameuse conférence de Berlin, on leur a obligé, n'est-ce pas, d'assassiner leur propre culture pour embrasser
la future des colons. Et c'est ce qu'ils continuent de subir aujourd'hui. Donc, ces espèces de traités inégaux qui ont été appliqués à l'Afrique bien avant la lettre pour le cas des Chinois, ils continuent de demeurer. Et c'est en ça que la question de France CFA, ce n'est pas seulement un artefact, mais c'est une volonté délibérée des politiques au pouvoir, de cette oligarchie politique au pouvoir en Occident, de continuer de nous soumettre, n'est-ce pas, à cet esclavage qui ne dit pas son nom. Et c'est pour cela que je suis très fier de voir qu'aujourd'hui, la jeunesse africaine, avec la démonstration qui est faite dans partout en Afrique, mais surtout aux deux pôles là qui sont aujourd'hui notre fierté, je parle de la Centrafrique et du Mali, sont quelque chose vraiment déceptionnel. Et on peut vous dire, ce n'est que le début. C'est le début d'une longue odyssée qui va retourner la face du monde et permettre enfin que la véritable humanité soit la chose la mieux partagée pour tous les citoyens de notre planète. Merci à vous, patient parfum d'homme. Eh bien, vous l'avez également dit, nous sommes... il y a peut-être quelques incompréhensions, mais dans le fond, on dit tous la même chose. Je pense que quand Gamal Abina parlait tout à l'heure de racisme, il voulait sans doute parler de la définition première du terme raciste, c'est-à-dire opposer les noirs et les blancs. C'est un racisme, mais pas au niveau primaire, c'est-à-dire opposer les noirs, les rouges et les blancs. C'est avec. Oui, mais les fondements de notre domination sont purement racistes. Effectivement. Parce que les Gobineaux. Je crois que là. Les Gobineaux, ils sont bienvenus avant Hitler. Nous sommes tout d'abord là-dessus. L'élite politique qui domine le monde s'est abreuvée largement là-dessus pour pouvoir continuer à cette politique. Effectivement. Donc, c'est du racisme. Merci à vous, patient parfum d'homme. Nous sommes donc arrivés au terme de cette émission. Ce soir, on avait sur ce plateau central patient parfum d'homme, panafricaniste. On avait Françoise Nicolas, ancienne diplomate française, victime de la mafia de la France-Afrique en poste du côté du Bénin. On avait également Sylvain Baron, activiste français, gilet jaune, auteur du livre Révolte. Gamal Abina était également de la partie internationaliste. Et Alain Jules Meunier, journaliste avec qui j'ai eu l'honneur de partager le plateau ce soir. Merci à tous, chers messieurs et dames, de nous avoir accompagnés. Merci, chers téléspectateurs, de nous avoir suivis. Merci également à toute l'équipe technique qui a travaillé pour la réussite de cette émission. Restez sur Afrique Média car nos programmes se poursuivent. Je vous retrouve pour d'autres éditions, toujours sur la télévision panafricaine. Mesdames, messieurs, bonsoir.